Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant 1 heure et demie. Et durant cette heure, eh bien, je vais recevoir Monsieur Nicolas Boutruche. Donc d'abord, bonjour aux nouveaux, bonjour aux habitués, bonjour à ceux qui étaient avec nous hier. Je sais que vous vous attendez avec impatience le début de notre session. Et bah oui, c'est toujours les conditions du direct qui sont jamais les plus simples, mais on devrait y arriver. Pour les nouveaux, eh bien, vous êtes évidemment les bienvenus, ça fait très plaisir de vous retrouver. Pour les gens qui sont habitués, pour ceux qui étaient déjà avec nous hier, est-ce que bah, vous avez apprécié? Qu'est-ce que vous avez apprécié particulièrement? Parce qu'on va se poser quelques questions sur la suite à apporter à notre session. On s'est fait très très plaisir les 2 derniers jours. Première session avec Stéphane Baril, on a parlé de portfolio, on a parlé de trucs et astuces à l'intérieur de Photoshop et de Lightroom. Deuxième session avec Sylvain Tessier, pour lequel on a parlé de photographie médicale. Puis hier, Jean-Baptiste Pellerin, photo de rue, et le Turc avec de la photo de décor et de la photo de mélange de carton-pâte. Aujourd'hui, on est sur une autre série. Comme vous avez pu le voir d'ailleurs hier et avant-hier, Stéphane Baril m'a rejoint en milieu de session à chaque fois pour nous donner encore des trucs et astuces autour, donc d'abord les méthodes de détourage dans Photoshop. Ça, ce sera dans la session de la première journée. Ensuite, les astuces de détourage et la décontamination sur la deuxième session de la première journée, après Sylvain Tessier. Enfin, avec Jean-Baptiste Pellerin, il nous a créé un livre photo et Lightroom, entre Lightroom et Lightroom classique, toujours Stéphane. Et pour terminer, eh bien, dans la session avec le Turc hier, on a revu tout ce qui était les masques à l'intérieur de Photoshop. Aujourd'hui, on va avoir encore pas mal de sujets, pas mal de points qui seront abordés par Stéphane. Et surtout, on va commencer à rencontrer donc Monsieur Nicolas Boutruche, que je vais appeler dans quelques minutes pour comprendre un petit peu, eh bien, qui il est, ce qu'il fait, quel type de photos il réalise, comment il les réalise, et puis je pense que ça va nous faire déjà pas mal de sujets. Donc, je voulais m'assurer avec vous que tout se passait bien. J'ai vu que vous étiez assez nombreux et que ça discutait plutôt pas mal dans le chat. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Hop, désolé pour le petit bruit de micro, mais je vais le mettre assez en face pour que vous m'entendiez quand même quand je ne fais rien de particulier. Je vais vous partager tout à l'heure mon écran parce que ça se fait et ça vous permettra aussi d'échanger avec moi sur les contenus et puis ça me permettra aussi de vous lire un petit peu, ce qui ne nous fera pas de mal du tout. Et je pense qu'on est plutôt pas mal. Hop, ici, connecte-toi. Bien. Donc ça, normalement, c'est lancé. Du coup, je vois le chat et je peux vous lire et je peux même vous écrire. Je sais aussi que Stéphane va vous faire passer un petit sondage. Pour les 3 premiers jours des sessions photo, on s'est dit que c'était plutôt une bonne chose de pouvoir travailler avec vous pendant les 3 jours. On s'est dit qu'on allait vous proposer un programme avec les photographes. Et Stéphane vous a mis un petit questionnaire. Vous le retrouverez dans le chat pour ceux qui n'ont pas encore vu, qui avaient un chat en dessous et qui n'ont pas eu l'occasion de dire bonjour. Dans ce petit questionnaire, en fait, il va vous poser la question justement de ce que vous aimeriez voir avec nous, non pas sur cette session, mais plutôt sur les prochaines. Parce que sur les prochaines, bah, comme vous le savez, on va essayer de vous accompagner un petit peu sur toutes les bah sur ce temps où on a tous un petit peu plus de temps pour être devant les vidéos, et on va essayer de vous trouver un peu de contenu vraiment adapté à vos sujets. Ok? Autre point qui va être intéressant aussi pour tout le monde, et eh bien c'est que nous avons un concours qui a été proposé par nos partenaires de Tuto. Et je vois que Tuto vient juste de vous mettre le lien de ce concours. C'est un concours tout simple, il suffit de passer sur la page, vous vous inscrivez si ce n'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait, vous êtes déjà inscrit, n'oubliez pas juste de vous déconnecter avant de vous inscrire, ce qui permettra à la mécanique de fonctionner. Voilà, c'est juste ça, c'est un petit peu les habitudes qu'on a mis en place. J'ai vu que vous étiez en train de répondre aux questions de Stéphane, j'ai vu que Stéphane vous avait redonné le tuto. Bah, c'est super, très bien.
Donc tout le monde est là, tout le monde est en forme. Et il y a Hélène qui nous dit, tiens, j'ai rencontré Nicolas à la Lille Art Up l'an dernier. Comme quoi, je ne sais pas si tu te rappelles de tout le monde et de chaque personne que tu as rencontré, Nicolas, mais on va bientôt parler de ça. Je vais donc vous partager non pas mon écran, mais l'écran de Nicolas dans un instant. Est-ce que j'arrive à retrouver ton visage? Hop, normalement, je peux le faire. Normalement, attends, je ne te vois pas encore. Bouge pas, bouge pas. Il faut que je fasse un petit cadre exprès pour ça. Ne rigole pas. Alors, ce que vous ne voyez pas pendant ce temps-là, c'est que Nicolas est en train de faire des grands signes en arrière-plan pour que j'essaye de le récupérer. D'ailleurs, je vais reprendre son micro, comme ça je pourrai l'entendre. Voilà, hop, Nicolas, Skype, moniteur. Et on va chercher une type de capture, une fenêtre. Et je vais aller chercher, sélectionner la fenêtre. Non, c'est Hangout que je cherche. C'est une fenêtre Chrome, appel vidéo Hangouts. Ok. Et cette fenêtre-là, je vais pouvoir la récupérer ici et je vais pouvoir le mettre à moitié avec moi. Hop. Voilà. Donc là, normalement, vous devez voir Nicolas. Vous devez me voir sur le côté pendant encore un tout petit temps. On va essayer de régler ça. Et Nicolas, je vais te mettre un petit peu de son parce que tu es avec nous. Est-ce que tu peux me dire que me confirmer que tu es toujours avec nous? Je suis toujours là. Ah, mais c'est formidable ça. Est-ce que vous entendez bien Nicolas dans le chat, les uns les autres? Confirmez-moi que je ne suis pas tout seul à l'entendre. Ça m'arrangerait. En tout cas, ça me rassurerait de savoir que Nicolas est avec nous et que je suis là aussi. Hop, un ici, un là. Voilà, comme ça, on est pas mal. Tu vois, on commence à être pas mal. Et normal. Alors, on aura évidemment, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de nos sessions, on aura évidemment un peu plus de. On sera un petit peu plus facilement posé tout à l'heure, quand on sera tous du bon côté de la fenêtre. Alors attends, je t'ai perdu, c'était pas très malin de ma part. Est-ce que si je te mets là, ça marche mieux? Ouais. On est reparti. Normalement, on est reparti. Je suis pour l'instant tout seul sur le chat. On va vous mettre juste le démarrage dans quelques instants. Faux démarrage, faux départ. Et normalement, on est reparti dès que j'arrive à avoir les bonnes fenêtres. Hop. Est-ce que vous êtes tous toujours là avec nous? Oui, un petit nom. Ok, je vais récupérer Nicolas dans un tout petit instant. Tout le monde est encore là? Yeah, super. Bon, désolé pour le faux départ. Je reviens avec vous et je vais vous remettre le partage de Nicolas, comme j'espérais l'avoir tout à l'heure. Hop. Et voilà, Nicolas, on te voit, tu es à l'écran. Tu es à l'écran, je sais pas si tu m'entends encore. Tu m'entends toujours ou pas, Nicolas? Eh oui, maintenant je t'entends. Tout va bien. Donc c'est ça que tu étais en train de faire en arrière-plan. Je te voyais bidouiller un truc, je comprenais pas. Donc le public non plus pouvait pas comprendre parce que personne n'avait accès à cette fenêtre. Donc tu étais en train juste de te rappeler. Parfait. Désolé pour le petit ratage. Voilà, on commence, on recommence. Faites comme si on n'avait pas passé 20 minutes à présenter Nicolas et comme si on n'avait pas commencé déjà la session. Vous ne vous en porterez que mieux. Hop. Donc bonjour les uns et les autres. Bonjour Nicolas, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux te présenter pour notre public? Tu as le droit de les regarder comme ça on te voit. Voilà, regarde ta caméra, tu te rappelles où elle est? Ouais, nickel. Voilà. Bonjour, je suis Nicolas, je suis photographe, j'ai 43 ans, et un de mes jouets préférés, c'est Photoshop. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire? Je fais une série qui s'appelle du voyeurisme au 1/10e, dans laquelle je coupe des bâtiments en deux. Donc ça donne l'impression de voir des maisons de poupées, en version géante. Et puis voilà, après, je sais pas ce que je peux dire de plus.
Bon, écoute, c'est déjà pas mal en termes de petite introduction. Je pense que normalement, ça devrait rassurer un petit peu tout le monde sur qui tu es. C'est parfait maintenant, nous dit Nadine. Votre « a été coupé quelques minutes, nous dit José. La vidéo a tourné dans le vide. Ouais, je sais. Je sais, José. Je suis un petit peu désolé, ou José d'ailleurs. Ça m'a donné du temps pour répondre au sondage, nous répond Jean-Noël. Pardon. Bah oui, effectivement. On avait un sondage exprès de notre ami Stéphane Baril pour pouvoir corriger ça et pour pouvoir temporiser. Merci beaucoup pour votre patience. Comme vous le savez, on est dans des conditions qui sont très particulières et exceptionnelles. Je pense que vous êtes tous plus ou moins dans le même cas et que vous allez être ravis de savoir que bah, du coup, la vie continue pour les uns, pour les autres, et qu'on essaye de vous trouver bah, un petit peu de contenu, de pouvoir vraiment profiter de ce moment-là. Le son n'est pas terrible, me dit Michel. Alors est-ce On que... parle? Vas-y, parle-moi. Là. Ouais. Bonjour, bonjour, bonjour. Test. Comment ils font les musiciens? Comme ça? Ils font mic test, mic test. Non, non, mais écoute, on va faire avec le son, puisque pour l'instant, c'est à peu près ce que j'aurai de mieux en termes de volume. Du coup, ça devrait suffire. Alors, le son, par contre, ouais, il va être asynchrone, ça c'est sûr. Je suis en train de faire rentrer quatre sources différentes, dont une analogique. Alors, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je vais vous mettre une petite vidéo de notre ami Nicolas parce que il m'a proposé en fait de regarder quelques éléments, quelques pistes. Et dans les pistes vidéo justement qu'il m'a proposé, ben, on va justement voir ce contenu de voyeurisme au 1/10e que j'ai posé sur le bureau, que j'aurais pu récupérer avant. Mais que j'ai pas récupéré avant. Hop, hein. C'est pas celle-ci. C'est pas celle-là. Hop. Date de modif. Boucle voyeurisme. Voilà. Elle est très bien celle-là. Moi, je vais pouvoir garder la boucle voyeurisme et je vais pouvoir vous présenter un petit peu une partie de ton travail. Comme ça, les utilisateurs ben, pourront voir un petit peu ce que tu fais et qui tu es. Si jamais vous avez des questions d'ailleurs pendant le live, n'hésitez pas, on est tout à fait disposé à y répondre. On est d'ailleurs là exprès pour ça. On est là pour pouvoir faire un live un petit peu dynamique et vous proposer un peu du contenu plutôt sympathique. Hop, donc là c'est soit toi, soit moi, et je vais mettre voyeurisme en tout petit. Check. Enfin, je vais te mettre, pardon, en tout petit, si je puis me permettre. Et j'ai des phrases complètement incohérentes, comme à chaque fois que je fais trois trucs en même temps. Du coup, donc en arrière-plan, vous allez revoir voyeurisme. Hop. Donc ça, c'est une petite boucle que tu nous as préparée. Et la petite boucle que tu nous as préparée sur cette vidéo, en fait, c'est un peu une représentation de ton travail, si je ne dis pas de bêtises. C'est une représentation de la série sur laquelle je travaille maintenant depuis 5-6 ans. En fait, avant, j'avais fait une première série où j'avais travaillé sur le thème de l'apesanteur. Et puis, comme j'ai travaillé dessus pendant à peu près 5 ans aussi, je me suis dit qu'il était temps de passer à autre chose. Donc, voilà, là, j'ai mis qu'une seule série, celle du voyeurisme au 1/10e. Voilà. Il n'y a pas 1000 images. Vu que c'est tellement long à fabriquer, j'ai pas, ouais, voilà, c'est à peu près l'ensemble des photos que j'ai réussi à faire sur cette série. D'accord. C'est déjà pas mal. Je pense que ça nous fait quand même une bonne quantité d'infos, une bonne quantité d'images à regarder. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Tu nous as dit que tu avais 40 et quelques années, que tu étais photographe depuis un certain temps. Et comment est-ce que tu en es venu à la photo? En fait, moi, à l'origine, je voulais être comédien. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas la voix de Bruce Willis et que j'allais être cantonné à des seconds rôles. Voilà. Donc, j'ai voulu faire du cinéma. J'ai fait une école de cinéma. J'ai fait une école à Nantes qui s'appelle les Arts Filmiques. Je sais même pas si l'école existe encore. Et puis, j'ai fait malheureusement un passage de 10, presque 10-15 ans dans la publicité. Pourquoi malheureusement? Malheureusement, parce que c'est ennuyeux à mourir, on n'écrit rien nous-mêmes, il y a des gens qui font tout à votre place. J'étais devenu juste un technicien qui faisait que
je m'exprimais plus du tout. Donc D'accord. du coup, je me suis vraiment ennuyé. Et c'est comme ça en fait que je suis arrivé à la photo. C'est que sur un film, moi j'aurais aimé faire de la fiction. Sur un film, il faut être à peu près une trentaine, minimum une vingtaine pour faire quelque chose. Donc c'est Ouais. vraiment une machine très lourde à déplacer. Alors que la photo, tout seul, on peut faire plein plein de choses, quoi. Donc je suis venu à la photo d'abord comme une cour de récréation pour pouvoir faire ce que moi j'avais envie. D'accord. Alors, petite question d'actualité, parce que comme tu l'as sûrement vu passer dans les réseaux en ce moment, on a l'équipe Photoshop fête les 30 ans de l'application Oui. et ils ont lancé un petit hashtag PS I Love You 30 en demandant aux utilisateurs de montrer leur première créa. Je crois qu'il y avait même un hashtag Ma première créa. Est-ce que tu as retrouvé tes premières créations, toi? Alors, je ne les ai pas trouvés parce que ma première création, c'était des bulletins scolaires. Ah oui, c'est différent. En fait, ouais, les premières fois que j'ai utilisé Photoshop, ça a été pour falsifier mes bulletins scolaires pour pouvoir rentrer dans cette école de cinéma. Parfait. Donc, voilà, j'ai pris toutes mes appréciations de sport, je sais plus, d'anglais, et j'ai mis tout ça, voilà, un élève exemplaire au final. D'accord, donc bah si, écoute, si c'est passé, tant mieux pour toi. Je pense que parfois Ouais. il faut ce genre de choses. Je vais partager mon écran vite fait juste pour pouvoir aller sur ton site et sur ton Instagram. Hop, Nicolas. Alors, Instagram, pardon, je Ouais, mais suis je nul, sais. je mets rien. Mais je sais bien, t'inquiète. Je sais que tu mets rien, mais c'est pour ça que j'y vais quand même. Là, je m'oblige un petit peu depuis une semaine à essayer d'en mettre un petit peu plus, mais c'est vraiment un exercice totalement différent. Ouais. Et du coup, c'est vraiment pas quelque chose sur lequel Tu je es suis doué, présent. quoi. Mais par contre, ton site est tout à fait à jour, c'est ça, hein? Si je dis pas de À peu bêtises. près, À peu ouais. près. Je crois que j'ai pas mis la dernière photo. T'as pas mis la dernière photo, bah du coup, hop, on va migrer sur ton site plutôt que sur ton Insta. Du coup, quand on va sur ton site, on voit effectivement, on retrouve une bonne partie de ton travail. On retrouve notamment ici, ce qu'on peut voir, c'est la construction de la Maison Blanche. Alors c'est toi qui as construit la Maison Blanche? C'est quoi cette histoire? Voilà, entièrement. Tout à l'heure, ce qu'on a vu en passage derrière, c'était la construction du grand hôtel, du grand motel. La Maison Blanche, c'est quoi? C'est encore une photo que tu as commencé à mettre en place à partir de la série du voyeurisme? Ouais, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais fait un bon paquet de photos. Enfin, un bon paquet, j'en avais fait déjà 12. Et croyez-moi, en faire 12 comme ça prend énormément de temps. Ouais. Et je discutais avec un copain de la prochaine et je disais, ah, je vais faire un motel et je vais faire une critique de la société américaine. Et il m'a dit, bah, fais la Maison Blanche. Alors là, j'ai bloqué direct et je suis parti tout de suite. Et genre le soir, j'avais commencé à dessiner le bâtiment. Donc voilà. D'accord, ouais, donc vraiment, vraiment motivé à fond pendant toute la voilà sur toute cette Ouais, production-là. c'était vraiment un projet qui était passionnant à faire, parce qu'en Ouais. fait, c'est la première fois que j'exprimais un point de vue politique, voilà, et ça a été assez épuisant aussi. Elle m'a vraiment vidé, celle-ci. Alors quand tu dis elle t'a vidé, qu'est-ce qui a été particulier par rapport à ce que tu pouvais mettre en place auparavant ou qu'est-ce qui a été différent justement? Mais alors, en fait, le fait de savoir qu'on parle de quelque chose de vraiment réel. En règle générale, j'écris toutes mes histoires et puis je raconte un petit peu ce que je veux. Je prends pas vraiment de risques. Alors que là, je m'attaquais à quelque chose un petit peu plus Costaud. politique. Et la première fois que je l'ai présenté au public, c'était à Milan. Ouais. Et j'ai entendu une femme qui expliquait à ses enfants la photo. Et à un moment donné, la femme regarde la photo en global, elle fait ouais, elle est géniale cette image, c'est mieux qu'un cours d'histoire. Alors ça m'a vraiment fait super plaisir. Et Ouais. du coup, j'ai dit un petit merci. La personne m'a dit, c'est vous l'artiste? Je dis oui, elle me regarde, elle me fait bravo. Alors je dis, bah ouais, c'est beaucoup de travail. Elle me dit, non, non, bravo de prendre autant de risques. Là, je me suis dit, ok, bon, je vais aller appeler ma femme, mes enfants, leur dire que je les aime. Et puis, ouais. Puis au final, on m'a jamais Au embêté. final, pour l'instant, personne t'a embêté dessus, c'est ça? Voilà, Bon, c'est ça. ça c'est plutôt une bonne chose dans ce cas, très clairement. Ok, du coup, si je me balade sur ton site, à quel endroit je vais aller? Peut-être sur Apesanteur, parce que j'aimais bien Apesanteur. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette série?
Ça, c'est vraiment la première série que j'ai faite moi pour m'amuser. C'est-à-dire que je me suis dit, au début, je faisais des photos, mais pour les copains, je faisais des pochettes d'albums, je faisais beaucoup de choses comme ça. Et puis un jour, je me suis dit, ce serait vraiment pas mal que je confronte mon travail à un public, que j'essaye de faire comment ça s'appelle, une exposition. Et puis l'expo, elle s'est présentée toute seule, comme ça. J'ai été inscrit quasiment, je vais pas dire malgré moi, mais j'avais rien de prêt en fait. Donc je me suis dit, il faut absolument que je trouve un fil rouge, quelque chose qui fasse que j'ai une série qui se tienne. Et alors, je sais plus comment, mais j'ai eu cette idée d'apesanteur. Et donc du coup, j'avais fait une première petite série de 15 photos, assez simple. Elles sont plutôt en haut ou en bas de la série? Bah, les premières, elles sont plutôt en bas. Et je ne sais même pas si elles sont toutes là, en fait. Écoute, je descends, puis on va voir ce qui se charge. Et quand les photos seront chargées, ben on regardera un petit peu ce qui est en train d'arriver. Si ça veut. Alors moi, j'ai un vrai décalage. Du coup, en Hop. fait, les toutes premières. La première, c'était un autoportrait. Parce que déjà, avant de faire poser des gens, Alors, je voulais être sûr que ça c'est le fonctionne. fameux autoportrait dans le cadre, avec toi Ouais, c'est ça, où je flottant? me photographie dans un miroir. Donc voilà, ça, c'est la première que j'ai essayé de faire. Avec un nonac, du coup. Voilà. Et du coup, voilà, quand j'ai vu que ça a fonctionné, j'ai essayé avec les enfants d'amis de faire deux enfants qui jouent ensemble en apesanteur. Et puis, plus c'est allé. Voilà, j'ai fait le boulanger, Le je crois, juste boulanger, ouais, après. qui est juste après. Alors le boulanger qui va justement, pour qui ça flotte de partout. Ouais. Après il y a toute la foule avec le corbillard. Oh, il est bien, celle-là, elle est d'actualité en plus. Oh. Ouais, ça c'est marrant parce qu'en fait j'allais exposer, j'avais une expo de prévu, un salon, et en fait, je sais plus, une semaine avant le début du salon, j'ai eu cette idée des poupées russes. J'ai appelé cette photo-là les poupées russes parce que tout sort de, le corbillard sort du, le cercueil sort du corbillard, le cadavre sort du Du cercueil, donc ça faisait cercueil et un tout. petit. Ouais. Donc j'ai appelé l'imprimeur, je lui dis en combien de temps ça peut, dans combien de temps il faut un fichier pour que ce soit prêt pour telle date. Il m'a dit il me la faut dans 4 jours. Donc en fait j'ai fait cette photo en 4 jours. J'ai appelé tous mes potes, j'ai dit venez habillés en noir à la maison. Donc Ouais. tout le monde a été photographié un par un dans le jardin, et puis voilà. D'accord. Juste comme ça, c'est cool ça. Ouais, et puis en fait c'était assez rigolo. Je suis allé faire un petit tour au cimetière, photographier quelques tombes pour pouvoir faire le décor, et voilà. Très bien, très bien. Et alors si, hop, on va se déplacer d'une photo à l'autre tranquillement, comme un grand. Alors comme un grand, elle a décidé de pas se charger. Ça c'est moins pratique. Hop, on va redescendre. C'est Et un bébé comme un qui grand, essaye de. ouais, avec son biberon. Voilà, c'est un bébé qui essaye d'attraper son biberon. Je crois que le bébé aujourd'hui, il a 11 ans. Donc voilà. C'est plus décent pour lui que la première photo sur Nevermind. Et ça doit être plus Ouais, c'est facile à ça. porter. Parce que j'avais cru comprendre que le malheureux modèle pour Nevermind, c'était jamais complètement remis d'être à Ah ouais, walper ah sur sa mais photo. Après, t'es parti en mer. Alors, question sur ces photos-là, parce que tu me dis sur le boulanger, sur toi, en autoportrait, etc. C'est des photos que tu as prises intégralement. Quand tu commences à arriver en mer comme ça, avec le chalutier, les vagues et autres, c'est du mélange de banques d'images aussi, ou c'est que des photos que tu as prises? Le chalutier, en fait, c'était à marée basse dans le port. J'étais de D'accord. côté, je l'ai photographié du mieux que j'ai pu. Et puis après, voilà, je l'ai incliné. Ce sont des copains qui sont en cotte de jean que j'ai D'accord. recolorisé après en jaune pour qu'on ait l'impression que ce soit des cirés. Et Classe. après, ce sont des images de vagues, de ciel, les poissons, voilà. Tiens, reste en face de nous parce que tu t'es décalé de ta caméra. Ah, c'est mieux, hein. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. T'essayes de faire genre, tu peux suivre plusieurs trucs, mais pas du En tout. fait, j'essaye de me rapprocher du micro parce que Pour j'ai vu que le son n'était pas génial pour les gens. Donc, que. Et si c'est ouais, si c'est le micro du téléphone, normalement on est pas trop trop mal. Ok. Hop, comment ça frit ici? Pas du tout. tout a été assemblé ensuite pour les poupées russes. Oui, chaque personne a été photographiée indépendamment les unes des autres. Je réponds à Delphine Ouais. Bergeon. Et en fait, après, je recolle les uns.
à côté des autres. Il y a juste, je crois, deux personnes qui ont été photographiées en même temps. C'est les personnes qui se tenaient par le bras, en fait, pour qu'on ait Ah, l'impression ouais, que. pour que tu sois pas en galère de montage. Donc les deux dernières, celles du fond, là, on les voit à droite. Il y a Ouais, mais il y a la plusieurs dame en personnes. tailleur et en... Ou peut-être même les deux premiers, ouais, qui Les ont deux premiers, ouais, ouais. de souvenir, hein, parce que cette photo, elle est assez vieille. Désolé de remuer là, de repartir Non, sur les non, c'est photos rigolo, mais cimetières. en fait, c'est marrant, parce que je les revois jamais, ces photos-là, donc c'est bien. Alors du coup, en remontant, t'as commencé à manipuler des trains. C'est quoi ce pont? Je suis très nul en pont. Je sais que c'est pas le viaduc de Millau. En tout cas, si c'est une vieille photo, C'est un pont qui s'appelle. Alors la photo s'appelle les ponts neufs, les ponts neufs, comme on dit en Bretagne. C'est un pont que je vois depuis que je suis tout petit, à chaque fois que je vais en Bretagne, en vacances l'été. Et en fait, je suis venu le photographier, mais juste avant un énorme grain. Je crois que le temps que je remonte dans ma bagnole, j'étais trempé. Et en fait, voilà, il y a 11 photos pour le pont que j'ai D'accord, que t'as réassemblé. assemblé, ouais. Et puis voilà. Et en fait, le train, c'est un jouet. La locomotive est réelle, mais le wagon, c'est un jouet que j'ai photographié et qu'après j'ai déformé sur Photoshop pour lui donner. Donc c'est le même wagon en jouet. D'accord. Alors il y a quelqu'un qui nous dit j'adorerais mettre ce type de photo au mur chez moi. Bah, vous êtes la bienvenue. Je sais pas si tu les diffuses après tes photos ou si elles sont Ah ben elles sont s'il y a un shop ou quelque Lily chose. Morgan. Ben écoutez. Il faut contacter, soit me contacter, soit contacter les galeries avec lesquelles je Ah. travaille. Alors les ponts neufs, je crois qu'il en reste. Voilà, la série Apesanteur, il y a quelques photos qui ont été épuisées, mais sinon. Et alors après, une fois que t'as arrêté de faire des gens habillés, des gens en costume et autres, t'as commencé à passer sur des intérieurs un petit peu plus cosy, un petit peu plus et puis des gens moins habillés quand même. Ouais. Alors là, on est sur. Je ne Là, sais on pas si est sur c'est. les trois naïades au milieu de la baignoire, dans le, je sais pas quel Louvre ou autre, Marie-Antoinette. Voilà. Marie-Antoinette, ouais. Voilà. Il y a Marie-Antoinette, il y a Gynécée, il y a Bain de Soleil. Donc voilà. Ouais. Donc ça a été les baignoires. Et puis là, le dernier nu que j'avais fait. Il y a une seule apesanteur que j'ai refait assez récemment. Ouais. C'est celle qui était tout en haut, celle qui était dans la forêt. C'est la première fois qu'en fait, je partais d'un décor à Et... peu près réel, puisqu'en fait toutes les ambiances en fait sont recréées, Ils sont recréés tous les intégralement. décors en fait sont créés quoi. Alors Voilà. attends, celle-ci, je crois que j'ai un making-of sur mon bureau. Je vais essayer de retrouver le making-of de. Hop. Je vais essayer de retrouver le making-of que tu m'as envoyé tout à l'heure. Hein. Je suis juste absolument pas organisé pour le coup. Et ça s'appelle making-of. Ah! Oui, il était aussi Petite farfelu. Oui, blague. j'ai déjà rencontré. Petite De blague. quoi, pardon? Non, non, bah écoute, je vais vous lire le making of sur mon ordi. Et tu sais pourquoi je vais vous lire le making of sur mon ordi? Parce qu'il est en M4V. Ah non, c'est le refuge, pardon. Alors attends, c'est pas le refuge, c'est pas... Ah, mais j'ai peut-être pas la boucle en question, bah, du coup je vais aller la chercher sur ton site. Je sais qu'il y avait des vidéos dessus, de making of, sur ton Vimeo. C'est ça, Ouais, Vimeo, ouais, Nicolas ouais. Boutruche, voilà, on va faire ça. Bon, je vais passer sur ton Vimeo, comme ça on va pouvoir retrouver le making of de Diane, que tu as repris récemment. Voilà. Et comme ça, on a bien la bonne vidéo. Donc les gens vont pouvoir comprendre, et puis si tu veux parler dessus, t'hésite pas, hein, y a pas de... Parce Sur qu'on quoi? Sur la photo, la vidéo du sur making-of? le making of de Diane, le crépuscule, Ouais. puisque ça démarre de nuit. C'est ça. En fait, c'est une des rares fois où en fait je me suis astreint à photographier un décor qui était existant. Ouais. Donc en fait, je suis allé en pleine nuit avec deux copains pour éclairer les rochers, parce que j'avais vraiment envie d'avoir une ambiance nocturne avec un rayon qui vient du haut. Donc c'était une première pour moi. J'ai mélangé, je crois, trois lieux pour avoir cette ambiance. Et puis voilà, j'ai du mal à commenter parce que je sais pas du tout. Donc je pense que j'ai 30 secondes de retard. Tu dois Donc avoir qu'est-ce 30 qu'on secondes voit? de Peut-être que retard. j'essaye Là, de je suis voir. à pile 1 minute. Vas-y. 1 0 Et donc 3. du coup.
Alors attends, parce que je l'ai pas. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'image? Parce que comme c'est Qu'est-ce moi qu'il y qui a à l'ai l'image? monté, Là, je m'en souviens. je te vois en train de détourer, de virer tes pieds photos. T'es Ah complètement en ok, noir. d'accord. On est déjà directement sur Photoshop. Donc voilà, ouais, c'était en fait de remarier trois décors en fait pour recréer d'abord le lieu. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, alors je sais, je vais pas le dire de manière synchrone, mais à un moment donné, je vais même redessiner sur le décor D'accord. pour voir ce que j'ai à y ajouter, voir comment je dois photographier mon modèle, pour qu'après, quand le modèle vient en studio, je puisse. Tu puisses l'intégrer, ouais. Là, on est Voilà. encore au moment où tu es en train de nettoyer l'arbre et de lui remettre un petit peu de lumière. Tu es en train de supprimer. Alors, c'est marrant parce que du coup, sur un arbre, comme il y a un ray de lumière derrière, tu as ton premier arbre qui va être très sombre et très net devant. Tu as ton arbre en arrière-plan sur lequel tu vas rajouter des détails énormément. Vu que c'est une question qui risque d'arriver à un moment, est-ce que tu. Combien de temps tu sais t'as passé sur cette image? Parce que ça fait un paquet Ah, de. ça a été super rapide. Ah ouais? Ouais. Alors, comment dire? Pour moi, ça a été super rapide. Je crois que j'ai mis 15 jours pour faire cette photo. D'accord. Ouais, parce que là 15 du. jours entre la prise de vue et la finalité. Alors qu'en règle générale, une photo du voyeurisme, quand je suis très, très, très rapide, je mets Ouais. 4 mois. D'accord. Donc là, quand je suis revenu sur la pesanteur et que je me suis mis à. Ça a été un délice, quoi, de faire quelque chose aussi rapide. J'étais dingue. Alors, on a vu entre-temps justement tout le moment du petit dessin, comme tu le disais, du croquis dessus. On a vu passer la prise de vue très rapidement avec le modèle, notamment tes différents essais, etc. Et là, on est en plein détourage justement de Diane, du coup, avec du détourage de cheveux tout au lasso. C'est Stéphane Barry qui va être Ouais. content. Ouais, non, mais oui, c'est ce que je dis sur la vidéo que peut-être on regardera tout à l'heure. Tout à fait. C'est ce que je dis, c'est que je n'ai jamais suivi de formation sur Photoshop, donc j'ai toujours tâtonné. Et je sais que pour les cheveux, ouais, j'y vais au lasso. Et en fait, après, je détoure assez grossièrement les cheveux au lasso. Et après, je redessine avec l'outil doigt, c'est-à-dire que je prends la texture du cheveu et Et je l'allonge. tu l'allonges et tu la troubles. Alors il y a le T qui nous dit, mais pourquoi personne m'a prévenu que Adobe faisait cette série? C'est le jour 3, j'ai tout raté. Non, rassurez-vous, vous n'avez pas encore tout raté. On est toujours là. Tout va bien. Donc là, ouais, effectivement, donc t'allonges les cheveux, tu lui rajoutes de la texture, et alors là, il y a un moment où elle devient complètement aquatique, cette jeune fille. Où t'es en train de. Ouais, c'est-à-dire que en fait, comme c'est ma galeriste qui m'a demandé de refaire une baignoire parce qu'en fait on avait épuisé tout le reste et du coup je me suis moi c'est une des premières pièces dans laquelle j'avais joué ce qui s'appelait Diane et les chasseurs c'était le ça s'appelle le crépuscule d'Actéon c'est-à-dire qu'en fait c'est le bain de Diane et en fait la légende voudrait que un des chasseurs voyant la déesse nue, en fait, a été transformée en cerf. Ça a l'air con comme ça, mais donc c'est vraiment une histoire qui m'avait marqué quand j'étais jeune. Et du coup, je suis reparti de ça. Donc du coup, je voulais faire un bain. Donc en fait, j'ai fait cette masse qui se soulève et voilà. Ah, c'est magique aussi la quantité de calque qu'il y a derrière. Alors il y a Stéphane qui nous dit, mais arrêtez de penser que je juge les gens sur leur méthode, c'est pas vrai. Alors oui, c'est vrai. Stéphane, qu'on verra tout à l'heure, qui interviendra après nous pendant la session, partage énormément de trucs et astuces, et on a à peu près le même point de vue, parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble pour le coup, qui est de dire que chacun va avoir sa méthode. Lui propose justement les dernières méthodes, les nouveautés, plutôt des bonnes pratiques, mais derrière, on sait très bien que les artistes, les photographes, les photomonteurs vont avoir de toute façon le besoin de pouvoir faire faire leurs essais, de tester, et c'est beaucoup plus facile de refaire quelque chose qui a déjà été. Qui a déjà été fait à l'identique que de le concevoir. Et puis souvent, les méthodes justement qui sont à la main, sur lesquelles on est en train de travailler au fur et à mesure, on voit très très bien que il y a forcément des moments où on va pouvoir, enfin, où il y a une réflexion derrière entre quand on commence à repasser dans Photoshop là-dedans, même s'il y a du boulot qui est vraiment manuel sur lequel tu es obligé de revenir et de redétailler, il y a forcément du moment où ça te permet de réfléchir à ce qui va arriver derrière, quoi. Le T trouve que t'es un crack, hein. Donc un mec très fort, je pense. Ouais.
Je suis assez Bah, d'accord. merci. Alors, donc là, c'était le making-of de Diane que vous pourrez retrouver sur son Vimeo. Donc ça, c'était une des dernières images de la série Apesanteur. Alors, pour la personne qui nous demandait comment retrouver tes images, tu disais qu'il fallait voir ta galerie. Je suppose qu'il y a quelque chose dans le contact, ils pourront te contacter s'ils sont intéressés par les Ouais, coordonnées. tout dépend de où la personne se trouve. Je suis représenté par deux galeries, donc il y a toujours moyen de. Voilà. Sinon, on peut les retrouver directement sur le site internet pour les regarder, quoi, déjà de D'accord. toute manière, quoi. Tout à fait. Incroyable le boulot, nous confirme Christophe. Alors du coup, je reviens. Alors j'hésite à passer sur Naked. Vous êtes tous habillés, tout le monde est majeur derrière? Ouais, Ok. et c'est assez marrant parce que ça c'est une série, c'est la dernière série que j'ai commencé. Je l'ai arrêtée tout de suite parce qu'en fait, il y a eu un accueil très, Mitigé. très mitigé. Et voilà. Et les gens pourront peut-être aller voir, c'est comme ils veulent, quoi, je sais pas. Alors on verra. Mais en tout cas, je pense que vous avez eu un petit aperçu, vous pourrez aller chercher. Ce qui nous permet du coup de revenir sur du voyeurisme au un dixième, pardon, pas un centième. Donc ces gigantesques images, et je sais que pour nous balader dans ces gigantesques images, tu as essayé de nous aider pas mal sur le fait qu'on serait dans une situation particulière là pour le live, et tu as pris le temps de nous faire un petit peu de vidéo dessus pour présenter un Ouais, peu tout ça. c'est-à-dire que à l'origine, on était censé être côte à côte aujourd'hui Exactement. et on avait prévu de faire une prise de vue en studio et de montrer comment moi je réincrustais quelqu'un dans un Dans un décor comme ça. décor. Donc du coup, comme c'était impossible, voilà, je me suis dit je vais essayer de faire une petite vidéo. Déjà, je pensais pas que ça passerait comme ça avec Ouais, tu vois, on s'en la sort. caméra. On s'en. Donc voilà. Ouais, Donc si on jamais s'en sort pas mal sur ça. Je vais lancer le making-of du refuge, ce qui nous permettra de comprendre un petit peu ce que tu. Ce que, de parler justement de cette première série d'images aussi, parce que tu me l'avais partagé. Alors, quand tu démarres, toi, tu dessines beaucoup, en fait. Ouais, c'est en fait sur le refuge encore c'est assez simple, c'est une seule pièce, c'est vraiment juste pour trouver l'équilibre de l'image. Mais quand vous faites un bâtiment comme la Maison Blanche ou comme le motel ou comme l'hôtel, je peux pas partir sur une image et me dire je verrai bien ce que ça va donner et voilà. Et comme les gens sont photographiés un par un, je peux pas me permettre, quand les gens arrivent en studio, de chercher avec eux ce qu'on va faire. C'est que Ouais. dans c'est pas possible, quoi. Ouais, Donc du coup, en fait, il il faut faut que que je t'aies prépare anticipé, tout, quoi. voilà. Et en fait, quand vraiment photographier les gens, c'est la toute dernière étape, c'est vraiment la touche finale. C'est-à-dire que c'est 75% du temps, c'est la construction du décor, l'écriture et la construction du décor. D'accord. Et du coup, ça fait que quand les gens arrivent en studio, eux, ils voient déjà, tu leur montres le rendu du décor, ils voient comment ils vont s'intégrer dedans ou tu leur montres pas forcément? Oui, maintenant oui. Avant non, je montrais juste le dessin. Moi j'avais le T'avais déjà le fichier prêt? décor parce qu'il fallait que je voie comment les éclairer pour que ça puisse Correspondre et. correspondre avec la lumière du décor. Mais Mais eux, pas forcément, quoi. Ils étaient un peu. voilà. Et puis en plus ça les aidait pas forcément. Donc bon, maintenant davantage. C'est-à-dire que là, c'est la 12e, 13e, 14e photo, je sais plus. Donc du coup, maintenant, les gens savent Ouais, déjà un ils peu à savent quoi à ça quoi va ressembler. s'attendre. Ouais, ils. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait le Grand Hôtel, l'image qui est juste derrière moi, j'ai mis 1 an et demi à la faire, déjà D'accord. parce que c'était la première. Et puis, je ne savais pas trop jusqu'où ça m'emmènerait. Et puis, surtout, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Donc quand je demandais aux gens de poser pour moi, c'était pas forcément facile. Je devais leur expliquer, mais en même temps, ils comprenaient pas toujours. Donc, des fois, je leur disais, bon, venez, on va faire une photo, je vais vous expliquer, et puis voilà. Alors, il y a Delphine qui demande d'où vient la banque d'images. Alors, c'est pas forcément du Adobe Stock, mais si vous cherchez des photos Adobe Stock, on a pas mal. On va en reparler tout à l'heure d'ailleurs d'Adobe Stock avec Samir Belamra qui va suivre et qui va vous présenter encore d'autres méthodes justement autour du photomontage. Pour le coup, pas des intérieurs, plutôt des extérieurs. C'est plutôt ça son truc. Philippe nous dit c'est surtout du graphisme et du dessin. Qu'est-ce que t'en La penses? photo, c'est du graphisme et du dessin. La photo, ça veut dire dessiner avec la lumière. Donc, Photographie, ouais. oui, en soi, oui. Bah, en fait,
C'est comme un film, c'est-à-dire qu'un film, vous faites un storyboard avant, c'est d'abord du dessin, et après vous recopiez entre guillemets votre brouillon qui est en dessin, vous le refaites en film derrière. C'est à peu près la même chose. Tout à fait, tout Mais à fait. donc pour répondre à Madame Fogas, que je connais, puisque Ah, en Madame plus. Fogas est déjà venue poser, c'est sur un site de texture que je trouve les certaines de mes de De tes images. C'est-à-dire que là, j'avais pas de gros aplats de bois comme ça. Et surtout, j'ai fait cette photo en juillet et Ouais. j'ai pas trouvé de texture de neige à côté de chez moi, en fait. Y a pas de neige là où t'es, c'est étonnant ça. Non. Mais voilà, mais c'est vrai que cette photo-là, alors c'est marrant, cette photo-là, je crois qu'à 99%, elle est fabriquée à partir de textures. Exclusivement de textures, sauf le modèle, en fait, qui vient. C'est-à-dire que je voulais justement des fois parce qu'en fait c'est un conflit que souvent j'ai avec des gens sur les expos Ouais. c'est mais est-ce que c'est vous qui faites toutes les photos? Et en fait j'ai dit 99% oui c'est moi qui les fais, c'est-à-dire Bien les sûr. textures c'est moi qui les photographie, voilà, tous les personnages c'est moi qui les photographie, mais ça arrive comment dire que non, soit j'achète des textures, soit j'en emprunte, voilà. Tout à fait. Là, on arrive à peu près à la finalisation et au moment où où il y a le modèle qui arrive, alors je vais le remettre, voilà, hop. Il y a un très très bref temps dans la session où on te voit justement éclairer, préparer ton shoot. Et ça, c'est un truc qui arrive effectivement vraiment à la fin, quand tu sais où tu vas aller en Ah termes de ouais, lumière totalement. du cabanon. Ouais, c'est vraiment la toute fin. Parce qu'en fait, il faut que je sache exactement comment je vais éclairer Christophe, justement. Et puis, en fait, pour ensuite le réincruster. Donc, vraiment, quand je photographie les gens, c'est que là, il reste. Allez, pour le refuge, c'est une photo tellement petite qu'elle s'est faite assez rapidement. Et quand il y a un seul personnage à photographier et à incruster, ça va assez vite. Mais quand vous en avez 180, je crois que le maximum sur une photo, ça a été 180. 180, ça fait un bon paquet quand même. Ouais. Déjà en prise de vue, ça dure. Et après, à détourer tout le monde, à réincruster tout le monde, ça prend du temps aussi. Carrément, carrément. Du coup, on est arrivé au bout de cette petite vidéo et tu nous as préparé un petit truc que je vais pouvoir lire avec vous. On va rester devant, mais on va disparaître pendant quelques minutes. Tu nous as préparé en fait la vidéo du montage autour du grand motel, c'est ça? Ouais, alors bon bah du coup on a déjà dit pas mal de choses. Peut-être ce sera un peu répétitif, je suis désolé. Bon, on va voir. On va voir, parce que je Mais pense que du coup, voilà. ça permettra aux gens justement de voir cette construction. Je lance la vidéo, je nous fais disparaître, et on est avec vous dans le chat pour répondre à toutes les questions qui pourraient vous intéresser. C'est parti. Et ça filme. Tout d'abord, pardon, parce que la qualité de l'image va pas être dingue dingue. Tout mon matériel est parti à droite à gauche sur différents tournages. Et comme les gens sont comme moi confinés, je n'ai pas pu tout récupérer. Donc du coup, je fais ça avec une GoPro. J'ai mon ordinateur et je vais du mieux que je peux vous montrer comment je travaille. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir faire de prise de vue. Pour vous montrer comment je fais. En même temps, ce sont des prises de vue, hein. On va partir de cette image-là, la dernière photo que j'ai réalisée de la série du voyeurisme au 1/10e. Donc là, on a une image terminée. Bien évidemment, ça ne s'est pas fait comme ça, comme ça. Souvent, quand les gens regardent une photo que j'ai faite et qu'on leur demande, d'après vous, comment ça a été fait, la première pensée que les gens vont avoir, c'est: bon bah genre ça c'est une photo, voilà les quatre mecs qui jouent au poker autour de la table, ça c'est une photo. Si on descend à l'étage du dessous, les flics dans leur chambre, ça c'en est une autre, la salle de bain c'en est une autre, la salle de bain du dessus c'en est une autre, et ainsi de suite. Ce qui fait que quand on regarde la photo en global, les gens vont se dire bon mais il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chambres, 11, 12 avec l'accueil. On va se dire 13 avec la piscine, allez 14 pour le bâtiment, 15 avec le tunnel. Bon, si on ajoute les salles de bain, enfin bon,
En gros, ça représente une trentaine de photos. Voilà, c'est ça, c'est à peu près ça que les gens se disent. Bon, la réalité, c'est que c'est un petit peu plus que ça, c'est qu'on est aux alentours de 3000 photos. Pourquoi? Et encore, je ne peux même pas vraiment parler de photos, je parle plus de couches d'images. Puisqu'en fait, c'est vraiment pas comme ça que c'est fabriqué. Faut le penser en termes de photos, en tant que matière première et en tant que finalité. C'est-à-dire que je vais mélanger une image à une deuxième pour en créer une troisième. Pourquoi je fonctionne comme ça? Par exemple, si on compare deux photos, à savoir celle où il y a les rockers et où celle-ci, le but du jeu, c'est que les gens écoutent quand même. Donc si on regarde ça, si on met les deux images côte à côte, qu'est-ce qu'on peut se rendre compte? On peut se rendre compte qu'à gauche, on voit le dessus du lit, on voit la moquette. On voit le dessus du canapé, enfin du fauteuil. On voit même le dessus du ventilateur. Par contre, on ne voit pas le plafond. Ce qu'on voit sur l'image de droite. On ne voit pas le dessus du lit sur celle de droite. Voilà. Donc clairement, l'image de gauche a été photographiée en plongée et l'image de droite a été photographiée en contre-plongée. Donc super, vous allez me dire, pourquoi tu fais pas ça directement? Bon, premièrement, parce que c'est rare que les chambres d'hôtel soient suffisamment profondes pour avoir le recul nécessaire. Puisque là, pour avoir les perspectives qu'on a dans l'image, il faudrait que je sois à peu près à 50 mètres de mes comédiens, de mes modèles. Donc je m'étais dit que j'allais construire ce décor. Et puis, ne serait-ce que le construire, pour que ce soit correct, il fallait un endroit assez grand. Donc j'avais trouvé un gymnase qu'on pouvait me prêter pendant une semaine. Et puis j'avais trouvé quelqu'un pour m'aider à construire le décor. Et puis en fait, je lui ai fait un devis. Là, j'ai eu un petit peu chaud. Et je me suis dit, après, ça veut dire qu'il faut que je loue des enceintes, que je déplace une batterie, que je. Non, ça allait être. Déjà, sans le papier, ça commençait à être un petit cauchemar. Donc je me suis dit, allez, faisons comme d'habitude. Au moins, je sais que je peux aller au bout. Donc, comment c'est fait, vous allez me dire? La première étape, c'est comme quand vous faites un film, vous écrivez un scénario, vous faites un storyboard, et ensuite vous réunissez l'équipe. Pour ce genre de photographie, c'est exactement la même chose. D'abord, je liste toutes mes idées, c'est-à-dire que quand je sais que je vais faire un motel, je vais écrire sur un petit bout de papier toutes les idées que je vais avoir pour les pièces, pour chaque chambre, pour chaque salle de bain. Mais sans forcément voir les ponts qu'il y a entre les différents étages, entre les différentes pièces. Ensuite, quels que soient les immeubles que je fais, je commence par un dessin, un croquis. Succinct, hein, pas besoin de rentrer dans beaucoup de détails, ça va me permettre de faire plusieurs choses. Déjà, de savoir à peu près de combien de personnes je vais avoir besoin. La deuxième chose, ça va me permettre de faire une liste de courses de tous les éléments dont je vais avoir besoin. Le nombre de personnes, les costumes dont je vais avoir besoin, les accessoires dont je vais avoir besoin. Si jamais j'ai des musiciens, il faut que j'ai une batterie, il faut que j'ai des enceintes, il faut que j'ai tout ça. Le dessin, il va aussi me permettre de mettre les histoires les unes à côté des autres, de savoir qu'est-ce qui va dans telle pièce ou qu'est-ce qui va dans telle salle de bain. C'est-à-dire que pour que ce soit assez agréable à regarder, il faut qu'une image soit équilibrée. Il ne faut pas que tous les personnages soient du côté gauche et que, à droite, genre, il y ait deux mecs qui se battent en duel, quoi. Une fois que le dessin est terminé, une fois que les histoires sont placées dans chaque pièce, je vais commencer à construire le décor. Donc, comment je construis un décor? Partout où je vais, que ce soit en vacances, que ce soit sur des déplacements professionnels, que ce soit chez le médecin, que ce soit, je ne sais pas quand je. Enfin, partout où je vais, si jamais je vois une texture qui me plaît, je l'emmène avec moi. C'est-à-dire que des fois, je vais la photographier. Si j'ai mon boîtier avec moi, je la photographie au boîtier. Si j'ai que mon téléphone, je prends au téléphone. Quelle que soit la texture, si jamais je la trouve intéressante, si jamais je ne l'ai pas en banque, je la photographie. Ça peut être des graviers, ça peut être de l'herbe, ça peut être du béton, du carrelage, un parquet, un tapis, un meuble. Donc les meubles, je vais les photographier sous différents angles pour avoir toutes les faces. Et j'en emmagasine un paquet incroyable. Et avec ça, je fabrique le décor dont j'ai besoin. Puisqu'en fait, une pièce, c'est ni plus ni moins
6 faces, un plafond, 4 murs, un sol. Je sais pas vous, mais quand moi j'étais gamin, j'aimais bien avec du papier faire des cubes, refaire du volume. En fait, là, sur Photoshop, je fais exactement la même chose. Ce qui fait qu'avec une matrice, le mur du fond, de gauche, de droite, on ajoute le sol, le plafond. Et si on replie le tout, hop, on peut avoir un semblant de volume. Donc voilà, à partir de ce moment-là, vous pouvez créer n'importe quel décor. Ça prend du temps, mais en soi, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, clairement, vous avez une succession de couches d'images qui s'ajoutent avec les murs, le mobilier, j'ai envie de dire, voilà, la douche, les chiottes, voilà, on a ça. C'est, j'ai envie de dire, le décor un petit peu plat de base. Mais chaque pièce va avoir son histoire, chaque histoire va avoir son ambiance. Donc à partir de ce moment-là, il faut décider quelle lampe va être allumée ou pas. Bah, je suis en train d'enregistrer les enfants. Donc dans chaque pièce, en fait, on va avoir une ambiance lumineuse différente. C'est-à-dire que si jamais les appliques, le plafonnier sont allumés, il faut que chaque objet ait son ombre par rapport à cette lumière-là. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire les mêmes ombres dans toutes les pièces. On a une pièce qui est complète avec son ambiance. Donc à partir de ce moment-là, une fois que j'ai répéter l'opération pour chaque pièce, j'ai un décor qui est certes vide, mais qui existe. Wouh ! Donc l'étape suivante, ça va être de remplir ce décor, d'abord avec tous les accessoires, c'est-à-dire les instruments de musique, les petits ballons sur les murs pour avoir l'ambiance des jeunes mariés, qu'on comprenne tout de suite que ce sont des jeunes mariés, qu'on ait la robe de mariée accrochée. Ensuite, de l'autre côté, pour les joueurs de poker, il leur faut une table. Donc pareil, à partir de textures, je refabrique un pied, le dessous de la table, le bord, je place des jetons dessus. Pareil pour la table du trafiquant de drogue. Voilà. Tous les fauteuils ont été photographiés après la construction du bâtiment pour pouvoir les éclairer de la bonne manière. C'est-à-dire que celui-ci, il est éclairé normalement juste par l'applique et le dessus. La lumière n'est pas la même sur chacun des fauteuils. Et puis ça m'a permis d'y mettre des accessoires, un ordinateur, des choses comme ça. Du coup, voilà. Ça, c'est l'étape suivante, c'est une fois que tous les accessoires sont mis dans les pièces, je vais pouvoir enfin photographier des gens. J'ai de la chance, maintenant la série elle a 5 à 6 ans, les photos sont assez connues. Donc du coup, quand maintenant sur les réseaux sociaux je dis hey, « j'ai besoin de modèles », en règle générale, dans l'heure, j'ai déjà plus de 100 personnes qui se proposent pour poser. Je vais me faire une liste de rôles à interpréter. Et puis, je vais voir entre toutes les personnes qui sont volontaires pour poser, je fais un casting, ni plus ni moins, et j'attribue tel rôle à telle ou telle ou telle personne. Ce qui fait que quand les gens arrivent en studio, ils savent déjà quel rôle ils ont à interpréter. Donc, pour les bonnes sœurs, c'est moi qui ai acheté le costume, mais parfois, je leur demande de venir avec une tenue qui fait un petit peu rock'n'roll. Quand les gens viennent pour poser, par exemple, en tant que junkie, je leur demande d'arriver avec des vêtements parpassés, un petit peu vieux, avec des trous. Et puis moi, après, derrière, je vais les salir davantage sur Photoshop ou même leur ajouter des bleus sur le visage. Donc ça, c'est assez rigolo. C'est-à-dire que je n'ai jamais de maquilleur sur mes shootings. C'est-à-dire que les gens, quand ils viennent poser, savent qu'ils ne vont pas être mis à leur avantage. En règle générale, c'est souvent l'inverse.
Donc voilà, ne venez pas poser pour vous trouver beau sur mes photos. Moi, j'aime quand on a une sale gueule, quand l'histoire ne se passe pas bien, c'est ça qui me fait le plus marrer. En général, il y a un côté autodérision qui fait que les gens aiment bien poser dans ces images-là. On passe à la prise de vue. Enfin, la prise de vue avec des gens. Je vais vous dire que c'est le moment que je préfère, parce que déjà, je ne suis plus tout seul. Comme cette photo est terminée, que je ne peux pas faire de prise de vue aujourd'hui pour vous montrer comment je procède tout ça, j'ai volontairement effacé quelqu'un de la photo pour reprendre les fichiers sortis du studio et réinsérer la personne. Donc déjà, quel est le personnage qu'on veut remettre dans la photo ? Donc voilà, là, ici, on a une maman qui est paniquée. Pourquoi ? Parce que son enfant est dans la piscine. Lui-même est paniqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la piscine, il y a un mec à poil qui va recevoir sur la tête une meuf à poil qui, elle-même, saute du balcon qui vient de la partouze, de la self-touze, comme j'aime dire, puisque tout le monde se prend en photo les uns après les autres. Donc du coup, revenons à la maman paniquée. Je ne veux pas forcément que la personne soit à son avantage. Pour que ce soit plus rigolo à regarder, je lui dis pas « amène le plus beau maillot de bain que tu aies hein. », c'est plutôt l'inverse, c'est si jamais tu as une vieille bouse au fond d'un placard, ça m'intéresse. Donc c'est ce que j'ai demandé à Marion. Donc comment je photographie Marion ? Déjà, on est en plongée, donc je suis légèrement plus haut que Marion. C'est surtout comment je vais éclairer Marion pour qu'elle s'intègre bien dans l'image. Marion, elle est éclairée par la piscine, par la chambre qui est ouverte, donc la lumière vient de derrière, et puis on a aussi le néon au-dessus qui donne, voilà, ici elle est vraiment éclairée en rose puisqu'en fait elle est beaucoup plus proche du néon, mais voilà, si vous regardez, elle c'est pareil, le rose en fait vient du dessus et le bleu vient du dessous. Donc Marion, comment je l'éclaire ? J'ai mis un flash sur lequel j'avais mis une gélatine bleue, alors pas en lumière directe, c'est-à-dire que je l'ai fait taper sur le sol pour que la lumière soit très diffuse, pour pas avoir une image trop dure. Une lumière trop dure, pardon. J'ai mis un autre flash qui vient en contre pour avoir la lumière qui sort de la chambre. Et puis, c'est très léger, on la voit même pas. J'ai mis une lumière pour illustrer un tout petit peu le rose. C'est-à-dire que si on regarde, il y a une très légère couleur rosée qui va lui illustrer le néon qui est au-dessus du bâtiment. Donc une fois que j'ai ma lumière en studio qui est construite, je vais demander à Marion d'interpréter une mère paniquée. Ce que je demande toujours aux gens qui posent, c'est de le jouer pour de vrai, c'est-à-dire ne pas juste prendre la pose. C'est-à-dire que quand ils sont en capacité de jouer la comédie, je leur demande de jouer la comédie. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Moi, les gens que je fais venir en studio ne sont pas des modèles professionnels. Premièrement, parce que je n'ai pas les moyens de les payer. Je ne prends pas des comédiens professionnels non plus. Ça arrive qu'il y en ait. Mais souvent, ce sont des gens qui n'ont jamais joué la comédie. Et souvent, je demande qu'ils surjouent. Pourquoi ? C'est que quand vous regardez une photo... les gens sont les trois quarts du temps petits sur l'image. Donc si jamais vous ne surjouez pas, à la fin, on ne comprendra pas forcément ce que les gens sont en train de faire. Donc il faut toujours surjouer la comédie. Donc là, voilà, j'ai demandé à Marion de tendre le bras et de donner une direction à son fils. Ce qui fait qu'on a un petit peu l'idée d'intention qui est donnée. Ce qui est davantage cohérent par rapport à la scène. Puisque moi, sur mes photos, j'ai pas de petite bulle en disant « Hé, viens à la maison ! Attention, il y a un monsieur tout nu !» Une fois que j'ai fait la photo avec le modèle, la personne s'en va pas tout de suite. Si j'ai le temps, je prends 5 minutes pour tout de suite aller sur l'ordinateur et réincruster la personne dessus pour voir qu'on s'est pas trompé, enfin que je ne me suis pas trompé. Donc, voilà. Et là, en fait, en mettant Marion sur le décor, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'elle est censée sortir de la piscine. Et qu'est-ce qui se passe quand on sort de la piscine ? On est un petit peu mouillé, alors que là, Marion ne sort pas de la piscine. Donc, une bouteille d'eau plus tard, Marion donne l'impression de sortir de la piscine. Donc voilà, on a refait
la même série de poses. Et puis au milieu de tout ça, donc si on regarde ce côté-là de la jambe, on voit qu'il est totalement cramé. Parce qu'en fait, le flash était vraiment trop près. Comme je ne travaille pas en raw, je sais, ça va faire hurler bon nombre d'entre vous. Et j'ai envie de dire, je m'en fous, je fais ce que je veux. Donc je travaille qu'en JPEG. Donc du coup, j'ai plus de matière sur cette jambe-là. Ce n'est pas grave, je vais en prendre une où le flash bleu ne s'est pas déclenché. Comme quoi, il n'y a pas d'accident. Voilà, je vais replacer les pouces à peu près au même endroit. Voilà. C'est magnifique. Ce n'est qu'une étape, rassurez-vous, je suis un peu débile, mais pas à ce point-là. Alors, je vais faire une jonction entre les deux images très douce. Ok. Avec l'outil déformation, je remets les choses à peu près au même endroit, de manière à ce que la jonction se fasse du mieux possible, Et puis, de toute manière, le but du jeu, c'est vraiment juste de récupérer un tout petit peu de matière, pour plus que la jambe soit vraiment cramée. Ça marche pas des masses, vous allez me dire. Après, c'est vraiment histoire de ne pas avoir trop de blanc. Alors là, j'essaie tous les masques de fusion, parce que des fois, on n'est pas à l'abri qu'il y en ait un que je ne connais pas forcément. Voilà, en différence. Un masque de fusion que je n'utilise jamais. Donc, on va garder ça pour la partie haute. Puis, pour la partie basse, on va le doubler. Alors moi, je travaille beaucoup comme ça, avec des superpositions de calque pour... voilà, c'est un peu vilain. Je vous l'accorde, mais ça va faire l'affaire. Voilà. Vu la taille à laquelle ce sera imprimé, même vous allez voir, en fait, mon fichier là aujourd'hui, il est beaucoup trop grand par rapport à mon modèle. Donc j'écrase. Voilà. Maintenant, je fais une patate très grossière autour de mon personnage. Je ne vais pas le fermer tout de suite. Et je vais retourner chercher mon modèle. Donc, je me mets au niveau du dessin et je vais coller mon personnage. Donc là, vous voyez qu'il est vraiment mille fois trop grand. En fait, même si je photographie avec un vieux boîtier, un 7D, qui n'est vraiment pas un boîtier extraordinaire, qui n'a pas un piqué de folie, mais comme je travaille quasiment exclusivement au flash, comme en fait le capteur reste bien supérieur à la taille réelle des personnages, parce que là, même si, je sais pas, il fait 35 000 pixels, voilà, le fichier, il fait 3 mètres de long sur 1,20 m de haut en 300 dpi. Donc, même si jamais mon boîtier, en fait, n'a pas un capteur extraordinaire, ça reste 100 fois suffisant pour, en fait, comment dire, pour garder le piqué, pour pas avoir un... Oh là là, laborieux. Ça reste mille fois suffisant par rapport aux besoins de l'image. Je ne sais pas si c'est clair. Moi, je me suis compris en tout cas. Donc, un petit peu grande Marion, hein, parce que même si elle est plus proche, Père David, il mesure près de 2 mètres. Alors,
je garde un petit peu de marge. J'ai ce fichier-là. Où est-ce qu'il est? Il est par là. Je vais essayer de le retrouver. Ça, c'est intéressant. J'ai quelques petits outils comme ça sur mon fichier. Où est-il? Il est là. C'est une toise. C'est une toise qui me permet d'avoir toujours à peu près la même échelle sur les personnages. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je photographie quelqu'un, combien tu mesures? Tant, ok. Ce qui fait que quand je les remets dans l'image, je sais à peu près qu'ils seront non seulement à leur échelle, à eux, mais aussi les uns par rapport aux autres. Parce qu'en fait, sur les premières photos, je ne travaillais pas comme ça, et ça m'est arrivé d'avoir des personnages qui avaient presque un rapport de 1 pour 2 quand ils étaient au dernier étage et au premier étage. Quand ils ne sont pas côte à côte, voilà. Donc là, même ma toise, même si elle est être ici, je vois qu'à peu près là, c'est cohérent, parce que Marion n'est pas très 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 grande. Et puis elle est un petit peu plus en retrait, donc voilà. Là, on a une échelle qui est cohérente. Donc j'ai ça comme outil que je me suis fabriqué, une petite toise. Et puis j'ai ça. Ce sont mes lignes, mes lignes de perspective. Ce qui fait que mon centre est ici, je ne sais pas si on voit bien. Mais j'ai toutes ces petites lignes, ce qui fait qu'en fait, bah, mes perspectives au moins, je sais qu'elles sont bonnes. C'est-à-dire que voilà, vous regardez, ça se suit. D'ailleurs, j'en ai une ou deux qui ne sont pas géniales. Que ce soit à peu près correct, quoi. Voilà. Ok. Donc, pourquoi je ne détoure pas Marion sur ce fichier-là et que je la remets sur ce fichier-là une fois qu'elle est détourée? Puisque comme je ne sais pas exactement quelle taille elle va avoir, je veux que mon contour progressif soit le même sur tous. C'est-à-dire que si jamais je détoure avec un... Je ne photographie pas les gens toujours avec je les photographie toujours avec la même focale, mais par exemple un enfant, je vais essayer de le mettre à pleine balle dans le cadre quand même pour avoir le plus de détails. Donc du coup, j'aime bien détourer une fois que les gens sont dedans. Et puis alors, ce qui va suivre va certainement déclencher votre plus grande crise de fou rire d'adulte, dans la mesure où je n'ai jamais, au grand jamais, suivi de formation, de cours sur Photoshop. Je suis un autodidacte, donc je détourne d'une certaine manière. Ça fait rire beaucoup de gens. J'espère que ça va vous faire rire. Mais voilà, je n'utilise pas la plume, je n'utilise pas les fonds de couleur, je n'utilise pas... Enfin, pour les cheveux, c'est pareil, j'ai une méthode des fois un peu débile, mais bon, c'est comme ça que je fais, ça me convient, ça fonctionne, je continue. Donc, pour détourer, je zoome minimum jusqu'à 400%. Pourquoi? Parce que je détourne au lasso. Non, pas la baguette magique. Et je prends toujours un petit contour progressif entre 0 et 1, histoire de ne pas avoir un contour trop, trop, trop net. Et je ne vais pas sélectionner Marion, faire un copier et un coller. Non, je vais d'abord sélectionner tout ce que je vais enlever. Pourquoi? Parce que je préfère toujours enlever un peu plus que pas assez. Avant, je faisais l'inverse. Je sélectionnais ce que je voulais garder. Et en fait, ensuite, je le recollais ailleurs. Mais les trois quarts du temps, j'avais un contour qui avait encore de la matière du fond précédent. Et du coup, bah, c'était un cauchemar parce qu'en fait, il fallait que je redétourne une deuxième fois. Donc du coup, je préfère partir sur l'inverse, c'est-à-dire sélectionner... Et puis, quitte à supprimer plusieurs fois, vu que j'ai un contour progressif, plus je vais supprimer, plus ça va, effacer. Et voilà. Bon, et puis comme je travaille au stylet, c'est quand même plus agréable pour détourer que de cette manière-là. Pour moi, en tout cas. Alors, je sais que c'est pas du tout une méthode qui... est adopté par d'autres personnes,
Mais c'est vrai que moi, elle me permet de faire mon boulot du mieux que je peux. Voilà. Alors, je vais être très honnête. Je suis abonné depuis très peu de temps à la chaîne Adobe. Et du coup, en fait, j'ai découvert plein de choses. Hier, j'ai vu un mec qui détourait les cheveux. Je suis juste passé vite fait voir si tout le monde était... comment dire, si le direct avait lieu. J'ai vu juste un extrait de 3 minutes du mec qui expliquait comment il détourait les cheveux. Donc ce mec-là est Dieu pour moi. J'ai oublié son nom. Je vous le redirai plus tard. Mais chapeau. Voilà, moi, pour l'instant, j'en suis encore à mes vieux outils. C'est-à-dire que des fois, j'ai l'impression de travailler à l'ancienne, mais avec des nouveaux outils, avec des outils neufs. Bon, j'essaie d'accélérer un petit peu parce que je parle, mais j'avance pas des masses. C'est très silencieux. En règle générale, quand je suis sur Photoshop, j'ai un film sur l'écran d'à côté. Alors je le regarde pas, je l'écoute. Donc là, c'est très calme. Je suis pas du tout habitué à travailler dans ce genre d'ambiance. Voilà, là, il reste un petit peu trop de matière, on redevine un petit peu le fond. Alors, je sais pas si vous voyez, des fois, je sélectionne même un petit peu trop, c'est pas toujours volontaire, mais comme je le disais, je préfère en enlever un petit peu plus et au moins pas avoir de lignes fantômes. Donc, je fais plein de petites sélections comme ça et je supprime au fur et à mesure. Je rogne. Comme quand on sculpte, on enlève de la matière au fur et à mesure pour de gagner, pour ne garder que la statue. Bon, je vais certainement accélérer tout ça, hein, parce que sinon, ça va être un petit peu chiant. Hey. Alors, est-ce que ça vous plaît pour l'instant, les uns les autres? Parce que regardez qui est en bas de votre écran dans le coin, il y a Nicolas qui est là en vrai, et qui lui sait exactement ce qu'il va nous montrer au fur et à mesure, parce qu'il est en train de jouer en arrière-plan, il est en train de jouer la vidéo le moment où il fait du détourage. Il nous a suivis pendant toute la session, et puis ça nous a permis de répondre de manière un petit peu plus posée à toutes les questions qui pouvaient avoir lieu sur le chat. Ça vous va pour l'instant? Trop chouette de le voir bosser, ouais. La Cintiq est un outil formidable, ouais, c'est clair. Oui. Bon, bah, écoutez, je crois que ça marche plutôt et que ça plaît bien à tout le monde. Tout à l'heure, tu parlais du mec qui était en train de détourer les cheveux. C'est Stéphane Baril. Il était avec Oui, nous. j'ai vu dans les commentaires. Et il est là aujourd'hui. Et pour effectivement, aujourd'hui, Stéphane, tu vas nous proposer un thème, toujours sur Photoshop, pour compléter un petit peu les contenus qu'on est en train de regarder. C'est ça, hein? Si je dis pas de bêtises d'ailleurs, il me semble bien que tu me l'as envoyé et que j'ai dû le noter quelque part. Normalement, c'est l'algorithme de contenu pris en compte, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc, tour d'horizon de l'algorithme de contenu pris en compte par Stéphane Baril. Nicolas, ça te plaît de revoir ta vidéo en accéléré comme ça? Ouais, c'est bien, je me regarde pas trop. Alors,
Alors Graciela nous dit waouh, la patience, c'est clair. Ouais, mon deuxième nom, c'est masochisme, mais Ah bah ça c'est un petit peu le risque, je pense que ça va avec ce genre d'image. Normalement, j'ai pas réécouté, mais on n'a pas de son en double, du coup ça doit bien se passer. Le bin, c'est pour se retrouver dans les calques. Est-ce que tu nommes tes calques? Je sais pas si la question a déjà été posée. Une partie des calques sont nommées, et puis en fait, quand on fait un petit clic droit avec la flèche, on retombe sur le bon calque en fait. Donc du coup, il n'y a jamais plus de 15-20 calques sur le même pixel, donc du coup, ça va. Ah, Donc la carrément. patience, ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ça qui fait que j'ai pas fait tant d'images que ça sur cette série, c'est que c'est tellement fastidieux, c'est tellement épuisant. Quand j'ai fait ma première exposition sur cette série-là, j'avais fait 10 images et j'étais épuisé. Et je crois que j'ai mis 2 ans à me remettre sur une nouvelle photo. Ça a vraiment été très compliqué pour moi, quoi. Ouais, carrément, Non, je ne suis pas. Alors, je réponds à Stefano Biolay. Hopper, j'aime beaucoup Hopper, mais Pas c'est trop. pas une. Alors, bah, vu que tu étais en train de parler d'épuisement, je trouve que la question de Vincent Walker juste au-dessus, est-ce que tu travailles toujours avec la Cintiq à la verticale? Est-ce que ça te fait pas mal au bras à force? Ou est-ce que c'était que pour la vidéo? Un petit peu, mais en fait j'ai tous mes disques durs qui sont accrochés à la Cintiq. J'évite de la bouger dans tous les sens. Voilà. Mais juste d'un point de vue aussi de lumière, quand elle est à la verticale, je vois mieux les contrastes, je vois mieux toutes ces choses-là. Mais c'est marrant parce que la Cintiq, une fois lors d'une exposition, j'avais une dame qui m'avait dit, c'est très joli, mais il n'y a rien d'artistique là-dedans, on voit que vous n'avez pas souffert. Et j'ai dit, bah, à force de détourer, j'ai des tendinites, est-ce que ça compte? Donc, Donc ça va, elle a trouvé que tu avais souffert quand même assez ou pas? j'espère. Les gens ont ce besoin de voir la souffrance des autres. Ouais, mais pour certains, l'art, c'est une souffrance, et puis c'est tout, quoi. Il y avait dans les premiers épisodes de la série Spaced, il y avait l'artiste torturé qui hurlait devant sa peinture et qui peignait en criant sur sa toile. Peut-être que c'est de là que ça vient. C'est possible. Alors j'essaie de voir, c'est une bonne technique, mais il ne faut pas trembler. Ouais, non, faut pas trembler. J'essaie de. Je suis désolé, j'arrive pas à lire toutes les questions. Ah bah oui, là, puis on a du monde, hein. Vous êtes 300 à vous exprimer les uns après les autres sur le chat. Donc forcément, ça simplifie pas les Je choses. ne vends pas cher de l'heure. Non, non, Franck, je ne vends pas cher de l'heure au final. Du coup, il faut faire ça plus cher. C'est déjà. Ça l'est déjà. Ah, c'est cool, il y a plein de gens que je connais, en fait, c'est rigolo. Un ordinateur puissant, pas plus que ça. Enfin, je me suis racheté une machine, justement. Hein. Mais en fait, comme je le disais tout à l'heure, les photos précédentes, je les ai faites sur un MacBook Pro. Et en fait, j'avais, je crois, non, si je n'ai pas que 8 Go de RAM là-dedans, en fait. D'accord, Et ouais. ça tenait quand même, je vais regarder, 8 Go de RAM. Je n'avais que 8 Go de RAM et ça tenait la route quand même. Bon, c'était un petit peu plus long et encore plus long pour sauvegarder, mais voilà. La sélection, le détourage complet de chaque sujet à la main, la folie, il n'y a pas moyen de sélection par sujet. Comme je le dis, j'ai pas suivi de formation, donc moi je sais comment me débrouiller avec ça, avec le lasso. Et puis, bah, comme j'utilise un stylet, c'est vraiment, il y a quelque chose de vraiment agréable. Et puis, au moins, je peux. Et puis, ce que tu nous expliquais aussi tout à l'heure, c'est que toi, tu viens du médium dessin au départ, donc c'est naturel en fait de rester. Ouais. Alors, pourquoi ne pas utiliser les ombres lors des shootings photos? Ça arrive. Celles qui sont dans le tunnel, ce sont les vraies ombres. Par contre, comme je n'ai jamais, j'ai pas le même recul, j'ai pas, c'est très compliqué. En plus, ça nécessite d'avoir un sol parfait. Là, les photos que j'utilise, que vous voyez, sont des photos que j'ai faites en studio. Mais il y a certaines D'accord. personnes qui sont venues à la maison. Il y en a que je vais voir chez eux. Parce qu'en fait, quand vous photographiez sans personne, Ouais. tout le monde ne vient pas forcément au même endroit. Donc du coup, bah, des fois, c'est sur un fond de parquet alors que dans l'image, ça va être sur un fond de carrelage.
je vais pas refaire les ombres, je préfère les redessiner. Et puis en fait, faut pas que tout soit comment dire réel, c'est-à-dire que si jamais on construisait le motel tel qu'il est là, je pense que les portes seraient 4 mètres de large. Elles peuvent pas être aussi larges, en fait. Mais c'est pour que la lisibilité soit bonne, c'est bon. D'accord. L'accent canadien viendra quand j'aurai envie de le faire, Marion. C'était un accent canadien. L'accent canadien. Tu l'as à quel moment, cet accent canadien? Quand je suis pénible. Écoute, pour l'instant, on n'a pas encore été confronté à ça, tant mieux. C'est une bonne carte graphique que tu dois avoir. Ouais, là, c'est vraiment le cas. Et ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour détourer, en plus, je zoome à 400-500% pour vraiment aller chercher le pixel et pas avoir trop de matière autour qui reste autour. Sinon, au bout d'un moment, on a un liséré blanc autour de chaque chose. Donc, oui, bien sûr. Y a-t-il un lieu d'exposition au Mans? Oui, il y en a. En ce moment, ils sont fermés, mais il y en a. Après, c'est pas toujours simple d'exposer. C'est-à-dire qu'il faut que les galeries soient disponibles, il faut que les gens aient envie, il faut que les gens aiment votre travail. Donc voilà, je devais exposer au Mans. On parle du Mans parce qu'il y a quelqu'un qui me demande et que je suis du Mans. Je ne sais pas si c'est quelqu'un que je connais. Mais en fait, cette photo-là n'était pas terminée. Mmh. Et le galeriste est sur la photo. Donc, il m'a dit, ah, ce serait vraiment bien qu'elle soit dedans. Ce serait bien, vraiment bien qu'on puisse retarder toutes les expos de toute la planète. C'est bon? C'est un bon pacte. Je vais retarder parce que là, j'ai 6 ou 7 expos qui se sont annulées cette année, du coup, là, pour le moment. Mmh. Donc, ouais. J'ai regardé un petit peu le Turc hier. Je suis un peu dans la même situation que lui, à se demander comment on va faire pour s'en sortir, parce que quand on ne vend plus de photos, c'est délicat, quoi, après financièrement. Mais voilà. J'essaie de retrouver ma souris pour revenir à la question. La technique, c'est que le film se ressemble. Ouais, je lis le message d'Alexandre. Je ne connais même pas ce qu'il a. Je ne connais même pas ce titre-là. Donc, c'est vraiment. C'est comme. Enfin, je pense que Photoshop, mis à part les gens de chez Adobe, je ne sais pas si quelqu'un sait vraiment l'utiliser correctement. Ah. Ben, je pense. C'est-à-dire que moi, j'adore voir d'autres gens travailler sur Photoshop parce qu'ils ont une autre technique que moi. Et en fait, c'est ça qui est assez génial, c'est qu'on. On a tous des méthodes tellement différentes. Ouais. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que par moment, ça m'est arrivé de travailler des formats, des fichiers que je partageais avec des gens en agence, voilà, pour des publicités. Et en fait, des fois, quand les gens reprenaient mes fichiers, ils étaient là, on comprend rien. On sait pas où on va. Et moi, quand je prenais les leurs, j'étais là, je pleurais de la même manière. Ah, mais ça, je pense que Photoshop, c'est un univers très personnel pour le coup. Après, quand c'est une personne qui doit partager avec une autre de temps en temps, c'est clair que tout le monde galère à un moment. Par contre, moi, ce que j'ai vu, c'est dans des agences où il y a de la production, où les images sont censées être toutes cohérentes les unes par rapport aux autres, là, on sent qu'il y a ce besoin-là et que, du coup, la cohérence des images devient importante, quoi. Ouais, c'est ça, et puis il faut que chacun, enfin, c'est vraiment propre à chacun. Tout le monde a une technique différente, quoi. Je vais essayer de répondre à cette question là. Hop, la carte graphique, je vais l'écrire. C'est une Radeon RX Vega. Alors Stéphane vient de citer quelqu'un que j'aime beaucoup, il vient de dire que le dieu de Photoshop pour lui, c'est Vincent Rizacher, que j'ai eu la chance de recevoir il y a 3 semaines maintenant, puisqu'on a fait une session justement pour les 3 ans de... les 30 ans, pardon, non pas les 3 ans, mais les 30 ans de Photoshop, et Vincent est venu nous parler justement de ses méthodes autour du détourage, de la manière dont il reprenait tout ça, et c'était vraiment excellent. D'ailleurs, il vient de nous passer le petit lien qui va avec. Si jamais vous avez l'occasion, vous avez envie de comprendre un petit peu tout ce qui se passe derrière une retouche et comment faire la bonne retouche, le bon détourage, etc., Vincent nous avait mis un petit florilège. Il vient d'ouvrir en plus un centre de formation, donc c'est en présentiel, donc pour l'instant pas tout de suite, mais ça va venir. Et c'est,
Voilà, ça s'appelle On Center. Donc ça, n'hésitez pas. Je pense que la session est assez plaisante à regarder pour le moment. Bon. Je suis désolé, en fait, je Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? j'arrive pas à répondre à toutes les Oh, questions. mais c'est pas très très grave, tu sais. Financièrement, combien t'as coûté le motel? Ah. Oh, je sais pas. Pas grand-chose, parce que qu'est-ce que j'ai acheté là-dedans? En fait, j'ai loué deux fois un studio. Je trouve que le studio qu'on voyait tout à l'heure n'est pas le mien, mais c'était pas énorme. J'ai acheté le costume de bonne sœur. Et puis sinon, je peux pas payer les gens. Je peux pas payer les gens parce que là j'ai 100 personnages, même si je leur file. En général, quand un modèle est tout seul, sur une photo, je le paye. Mais quand ils sont 100, je peux pas, sinon je m'en sors pas. Ouais, c'est ça. Donc, Donc t'es pas voilà, une qu'est-ce que ça production m'a coûté? hollywoodienne, t'es pas sponsorisé, il y a pas de Non, mais en fait, je trouve que ça m'a vraiment pas coûté grand-chose parce qu'en fait, j'essaye de voir qu'est-ce qui aurait pu me coûter de l'argent. En fait, il y a beaucoup de gens qui se prêtent au jeu aussi. Donc les modèles, déjà, ne me coûtent rien. Et après, c'est juste de la texture. Donc, ça m'a coûté du temps, Ouais, c'est c'est ça. sûr. C'est le projet passion, justement, où toi, tu t'impliques énormément. Et la satisfaction, le rendu, c'est de pouvoir justement se retrouver dans la photo. Ouais, il y a des gens que ça fait vraiment marrer, il y a des gens qui adorent ça, qui et j'arrive pas à photographier tout le monde, mais Est-ce parce que, que alors, il y a trop je de sais monde. plus, j'ai pas entendu tout le son de la vidéo. Est-ce qu'il y a un moment où tu précises si tu as des personnages en doublon dans le motel, par exemple, ou dans la Maison Blanche? Est-ce que tu t'en as parlé, Je ça? le précise pas, il y a toujours des doublons parce qu'au bout d'un moment, même parce que là, cette photo-là, il fallait qu'elle soit finie pour partir à Lille au début mars. Bon, le salon a été annulé, mais moi, ça, je l'ai su que la veille. Donc, il y a des gens qui sont doublons. Ouais. Quasiment tous les détenus qui s'évadent, qui passent par le tunnel, sont en doublon. Ils sont quelque part ailleurs, quoi. D'accord, ouais. Mais Les gens, qu'est-ce ils sont rarement plus de deux fois, quoi. Ça arrive, mais voilà. Moi, c'est pareil. De temps en temps, T'es présent, tu je fais des mets. caméos, t'es en mode Hitchcock. Ah ouais. Mais d'ailleurs, quand vous allez voir une exposition, où la série est complète, il y a toujours un jeu. De réussir à trouver partout où je suis. Et si jamais quelqu'un trouve, il gagne un tirage. D'accord. Ah ouais, ça c'est sympa. Enfin, tirage, une œuvre numérotée. Et en fait, il y a une seule personne qui est arrivée à un prêt, c'est un pote d'enfance, parce que lui me connaît très bien. Ouais, du coup, il Il arrive à commence te à me dire. reconnaître même quand t'es grimé. Ouais, parce que des fois, je me casse le nez, une fois, j'étais en roue. Enfin, voilà, donc. On arrive à tout faire comme ça, quoi. Non, mais c'est super, c'est cool. C'est que, ouais, dis donc, on a bien avancé. Je me pose une petite question. Comme Stéphane nous a proposé un petit sujet sur le. Sur le. Qu'est-ce qu'on a mis comme sujet? Sujet 1. Mince. Un petit sujet sur le contenu pris en compte, sur l'algorithme de contenu pris en compte. Je vais peut-être lui laisser la place. Je vais, du coup, bah, si on a bien fait le tour de tout ton travail et que vous avez à peu près compris les uns les autres comment ça se passe, vous pourrez regarder donc ce contenu-là. Vous pourrez le regarder en boucle pour revoir exactement chaque petit morceau. Ouais, où est Charlie? Mais où est Nicolas? Voilà. Pour les autres, n'oubliez pas, hein, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de jouer, il y a un petit concours, un petit jeu concours pour gagner un an de formation sur tuto.com, qui sont partenaires avec nous sur le sujet. Nicolas, n'hésite pas, hein, si tu cherches des formations Photoshop, ils en ont quelques-unes. Tu peux tenter de gagner le concours. Je sais pas, mais moi je suis un ours, j'aime bien ma méthode, elle est des fois un peu fastidieuse. Je vois pas l'utilisation de fond vert, une raison, oui. Alors, je viens de la publicité, le fond vert, ça me rappelle le boulot, et en fait, j'ai envie que ça reste un jeu. Et puis en fait, je trouve pas, ou alors peut-être que j'ai pas encore trouvé la méthode de le faire correctement. Je sais que je vais y revenir après. Je sais que je vais revenir au détourage. Donc, c'est pas le temps que ça me prend, sincèrement. C'est pas détourer les gens qui est le plus long, en fait. Donc, et en fait, je pense que des fois, le fait
de détourer à la main, je me rends compte qu'il y a des pétouilles sur le costume qui ne va pas, ouais, ou des choses comme ça. Ça me permet de les retoucher. Alors que si c'est un fond vert, il y a une sorte d'automatisme et qui ne va pas, qui ouais, va pas m'aller. Que tu ne vas pas réussir à récupérer, à retrouver comme tu veux. Ouais, forcément. Vous êtes un forçat de la perfection, respect. Oh là là, faut... pour regarder les photos en détail. Là, je ne l'ai pas encore vue. Elle est imprimée, elle est exposée. Je n'ai pas encore vu cette photo. Et j'ai peur du moment où je vais la voir et que je vais la regarder de près. Comme on... tu vas découvrir les trucs que tu avais laissés ou ouais, tu disais que ce n'était pas très grave et finalement plus que ça. Le modèle a été imprimé en quelle dimension et sur quel support? Le seul exemplaire pour l'instant, c'est, il a été fait en 250 par 120 par 100. Mmh. Un ratio comme ça. Il a été imprimé sur un une impression qui est faite après et qui est collée contre, sur un dibon. Mmh. C'est la même chose qu'on voit derrière. Ouais, dibon sur plastique avec une plastification brillante parce que je suis pas du tout mat. Mmh. La planche doit être soulevée. Non, j'ai pas compris. La planche doit être soulevée. Ah, est-ce que c'est dans la photo qu'on est, qu'ils sont en train de regarder juste là à l'instant et peut-être qu'on a décroché? Ah, la planche de toilette, oui, elle va l'être, elle l'est. C'est ça, alors pour les gens qui voudraient recompléter le décor, ça a déjà été fait du coup. Normalement, tu as eu le temps de regarder ton image et c'est peut-être ce qui arrivera à la fin. Ouais. Ben écoute, en tout cas, ouais, merci beaucoup pour ce partage. Et allez, je vais laisser je vais couper la fin de la vidéo. Il nous reste 3 minutes, même pas. Et comme ça me permettra de nous reprendre tous les deux en grand et d'introduire ce cher Stéphane Baril dans quelques minutes. Hop, je fais le passage ici. Tuc. Je reviens en grand. Et donc, bah, merci beaucoup Nicolas. Merci aux uns aux autres. Je pense que là, tu as réussi en plus le tour de force de répondre à plein de questions au fur et à mesure des besoins et des demandes des uns et des autres. Ça, c'était quand même tout le bonheur de t'avoir avec nous pendant la session. Merci à vous, hein. c'est génial de pouvoir partager ça ici, quoi. Pour ceux qui sont pour ceux que ça intrigue, dans quelques minutes on va recevoir Stéphane Baril. Donc le thème de maintenant, ça va être le tour d'horizon de l'algorithme contenu prise en compte, pour ceux qui se demandent comment on peut remplacer des objets à l'intérieur d'un visuel Photoshop. Vous allez en prendre plein les yeux encore comme d'habitude avec Stéphane. Donc je raccroche quelques secondes de Nicolas, je l'abandonne, coucou, au revoir Nicolas, je disparais dans la foulée, hop. Et je vous mets un petit visuel de Stéphane pour patienter. Hop, dans quelques instants, je coupe le son. Et on revient juste le temps de raccrocher auprès de Nicolas, à qui j'ai dit au revoir. Et je vais appeler Stéphane et on va reprendre la suite de cette conversation, les uns avec les autres. Restez avec nous, ne vous sauvez pas. C'est le moment du coup de faire un tour sur votre compte... sur votre compte tuto.com, de retrouver le petit lien que je vous avais passé tout à l'heure pour participer au jeu concours. Hop. Et vous allez voir que la suite va être très instructive elle aussi. A tout de suite.
Et c'est ainsi que nous revoilà pour quelques secondes. J'essaye de faire réapparaître tout le monde au fur et à mesure. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Est-ce que vous êtes toujours là? Dans quelques secondes, je vais partager Monsieur Stéphane Baril. Je vais le mettre en arrière-plan derrière moi si j'y arrive. Je sais que j'ai réussi hier. Je sens que ça va être plus compliqué aujourd'hui parce que sinon ce serait trop facile. Hop, regardez, on va faire ça et ça. Je suis là sur le côté. Il y a Stéphane, vous le voyez au-dessus de mon épaule. Il est là. Coucou. Stéphane, bienvenue. On va remettre ton micro. Voilà. Est-ce que les gens sont restés pour voir Stéphane? Parce que moi, ça m'intrigue aussi. Vous le connaissez, vous l'avez découvert, pour certains l'ont découvert hier, dans sa spécialité, le détourage de cheveux. Comme vous avez pu voir, là, il a complètement appliqué sa méthode. On ne voit pas la distinction entre ses cheveux et le fond. Voilà, parfait. Aujourd'hui, donc, tu nous fais une petite session sur laquelle tu vas nous parler de l'algorithme contenu pris en compte. Merci. Qu'on retrouve à plein d'endroits. Ouais. Beaucoup de gens le connaissent à un endroit, mais pas forcément au reste. Mm-hmm. Donc, je suis en train de brancher mon iPad de contrôle, de retour en fait, de contrôle. Donc, ce que je vais vous faire, c'est ça. Je en profite pour commencer maintenant. J'ai posé la question tout à l'heure, mais peut-être que des gens sont arrivés pendant ou autre. Pour la deuxième session, en fait, j'avais l'idée de faire un tour d'horizon de la galerie de flou qui est apparue dans CC 2014. Mais du coup, j'ai vu aussi les questions passer. Et la deuxième motion que je vous propose, tu me diras, Franck, tu regarderas les chats, c'est ouais. Un tour d'horizon sur les objets dynamiques et leur pouvoir et ce qu'on peut en faire. D'accord. Donc, c'est l'un ou l'autre. Donc, soit la galerie de flou, soit les objets dynamiques. Voilà, pour tout à l'heure. Donc, voilà. Donc là, je vais partager mon écran et on va commencer, du coup, avec l'algorithme, en fait, contenu pris en compte. Alors, désolé. Bien, quand c'est bon pour l'écran. Normalement, je vois ton écran. Vas-y, on est sur ton écran, d'ailleurs. Tout va bien. Ok, nickel. Ok, donc on va commencer par le premier algorithme contenu pris en compte. En fait, il est apparu dans CS3. Alors, je ne sais pas si tout le monde le sait, tout le monde avait suivi. Et dans CS3, il y a une fonction qui est apparue dans le menu édition. Et ça s'appelle, effectivement, ici, alors, il faut que je sois sur le bon calque et surtout que ce calque, voilà, ici. Donc je pourrais avoir tout supprimé, d'ailleurs je vais tout supprimer ici pour vous montrer, voilà. Donc j'ai la seule chose à faire si vous avez un arrière-plan, c'est de venir déverrouiller, ça doit fonctionner sur un calque. Et ici j'ai déjà étendu en fait pour gagner du temps les éléments. Donc sur cette photo ici, si vous allez ensuite dans le menu édition, vous avez échelle basée sur le contenu. Hein, donc l'algorithme s'appelle Content Aware en anglais, si vous êtes avec l'anglais et que vous voulez regarder les tutos. Et sinon, c'est contenu pris en compte dans son monde complet. Donc, si vous faites ceci, ce qui est intéressant avec cet algorithme, par rapport à juste j'annule, je vais faire une transformation classique. Bien entendu, hein, si j'appuie sur majuscule maintenant, vous savez bien que si j'avais besoin d'avoir plus de matière, bah, ça ne marcherait pas vraiment de cette manière-là. Ou alors, il aurait fallu que je vienne détourer avant les personnages, les mettre sur un calque, les supprimer, etc. Donc, en fait, contenu pris en compte, en fait, donc échelle basée sur le contenu, c'est un algorithme. J'y vais volontairement tout doucement, déjà pour la retransmission, et deux, pour pouvoir vous permettre, avec majuscule enfoncée, pour pouvoir vous permettre de voir, en fait, qu'il préserve les personnages. Alors, on voit que sur les planches, il rajoute aussi du contenu. Je vais vous expliquer le pourquoi il intervient comme ça. Et vous voyez que sur les décors, il est en train de rajouter du contenu petit à petit. Alors, on peut aller dans les deux sens. Hein. Là, je vais dans un sens pour la démonstration. Mais on peut aller aussi sur la verticale. On peut aller dans les deux sens ici. Mais en gros, il va essayer de trouver, en fait, tout ce qui est contour, tout ce qui est forme de base et préserver ces formes de base. Si on avait des personnages de face avec de la peau, on pourrait cocher cette petite case ici et ça permettrait de préserver la coloration des peaux. Et donc, tout ce qui a une peau, finalement, serait préservé d'office. Okay, donc là, c'est intéressant, mais on voit ici pourquoi, en fait, comment il détecte en partie, hein, il y a plusieurs choses dans l'algorithme, comment il détecte, en fait, les contours. C'est tout simplement, un contour, c'est qu'il y a du contraste. Et finalement, si vous avez une profondeur de champ, par exemple, sur une photo, vous apercevez que les éléments sont flous, donc ils sont, si on regarde bien les pixels, il y a des dégradés de couleurs beaucoup plus importants, finalement, que des contrastes très forts entre deux éléments. Donc finalement, on peut dire que le flou, c'est du dégradé, et en fait, il a le droit, du coup, dans les dégradés, eh bien, ou dans les aplats, eh bien, il se permet de rajouter de la matière ici. Donc, c'est pour ça qu'on voit ça. Par contre, ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que si je prends simplement mon multilinceau,
Encore une fois, là, pour des questions de place, pour ceux qui étaient là sur les autres jours, d'habitude, j'ai la place de mettre ma tablette graphique, voire même je travaille sur ma Cintiq. Mais là, je travaille au trackpad directement sur mon Mac, vu que j'ai pas beaucoup de place autour de moi. Donc voilà, donc là, je prends en fait l'élément. Je vais prendre juste ce personnage-là aussi, parce que j'avais vu que lui aussi, il avait un petit problème. Donc hop, lui aussi, sa planche était en train de bouger. Donc voilà, donc ici, j'ai pas forcément besoin d'être super pointu, donc j'en fais que deux juste pour vous montrer, on va garder l'autre. Et en fait, ce qu'il va nous falloir faire, c'est juste un clic droit et demander de mémoriser la solution. Donc là, je vais l'appeler Toto, quand je ne sais pas comment, je mets toujours Toto, hein, pour ceux qui me connaissent, ils le savent. En gros, qu'est-ce que ça fait quand on mémorise une sélection? Juste pour le rappel, ça vous crée une couche alpha de mémorisation de sélection ici, d'accord? Donc c'est tout ce qui se passe en tâche de fond, je désélectionne maintenant. Et si j'appelle à nouveau, en fait, échelle basée sur le contenu, je vais avoir la possibilité maintenant ici de protéger et de mettre en fait Toto, donc la sélection qu'on vient de mémoriser autour de ces deux personnages. Et si maintenant je reviens, vous pouvez voir que ces deux personnages, le troisième, hein, vous pouvez voir que sa planche continue à grandir tout simplement parce que je ne l'ai pas préservé. Alors on peut aussi aller à l'inverse, on peut aussi les rapprocher, bien entendu au bout d'un moment on aura bien sûr des aberrations, etc. Mais vous voyez que les deux personnages que j'ai préservés ici, eh bien, bah, sont bel et bien préservés, quel que soit en fait ce que je suis en train de faire. Donc voilà, donc ça c'est la première introduction de cet algorithme, c'était contenu pris en compte, donc là j'annule en fait. Ensuite, plus tard, on a ajouté dans différents outils, par exemple dans l'outil correcteur localisé, dans l'outil correcteur ou dans l'outil pièce, et on verra après qu'il y en a un nouveau maintenant. Donc dans l'outil correcteur ici, vous avez l'algorithme contenu pris en compte ici que vous pouvez sélectionner. Vous pouvez récupérer les anciens algorithmes ou le contenu pris en compte. Et là, c'est ce qui fait que effectivement, il va vous prendre, par exemple pour supprimer des éléments, hein, c'est ce qu'on utilise pour enlever des petites zones. Maintenant, souvent, quand on a envie d'enlever des choses plus larges, on peut très bien prendre l'outil pièce qui va avoir le même algorithme. Ici, en fait, contenu pris en compte, hein, il suffit de le demander. Par défaut, on a l'ancien algorithme qui est sélectionné, mais ici, je peux prendre contenu pris en compte. J'aime bien aussi rappeler ce que je n'ai pas fait sur l'exemple rapide ici, outil localisé, qu'on peut échantillonner tous les calques. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est que échantillonner tous les calques? C'est que si vous créez... Oui, oui. Est-ce que je peux t'interrompre une demi-seconde? Dis-moi, bien sûr. Alors, rassure-toi, tout va bien. La démo est extrêmement claire, mais j'avais pas cadré exactement la fenêtre sur le haut. Et du coup, les gens n'ont pas vu les petites options sur le contenu pris en compte. D'accord. Est-ce que si je fais des zooms écran, on le voit? Oui, on les voit super bien. Nickel. Ok, donc je vais pouvoir me permettre de le faire. Ouais. Donc en fait ici, contenu pris en compte sur l'outil correcteur localisé, c'est ici que ça se passe. Donc contenu pris en compte, c'est ici l'élément. Et la case dont je parlais, échantillonner tous les calques, c'est quoi? C'est au lieu de travailler sur le calque lui-même, là, qui est mon image d'origine, je peux créer un calque vide. Et si je ne coche pas échantillonner tous les calques, il ne voudra rien faire parce qu'il échantillonnera sur le même calque. Et s'il n'y a rien sur le calque vide que j'utilise, bien entendu, il ne pourra pas cloner. Alors que si j'autorise cette case-là et que j'ai un calque vide, eh bien, il va me permettre de mettre le résultat en fait de ça sur un calque, comme on peut le voir ici. Et donc, du coup, je travaille de manière non destructrice. Même principe, un outil qui est intéressant, donc celui dont je parlais, c'est l'outil pièce. Il a lui aussi des options. Donc, c'est ici, par défaut, il est en normal, on peut prendre contenu pris en compte. Je vais échantillonner les calques. On va revenir sur ça dans une seconde, enfin deux trois secondes, structure et couleur. Pour l'instant, je laisse par défaut. Et imaginons que je veuille, bah, par exemple, supprimer celui-ci ou qu'il ait une zone un peu plus large. Souvent, c'est pour des zones plus larges. Je peux venir lui dire et aligner en fait avec une zone qui me semblerait équivalente. Et lorsque je relâche, eh bien, il vient rapiécer, même principe, là, sur un calque que j'ai demandé ici. Maintenant, si je n'ai rien fait, donc j'annule volontairement parce que ici, ce que je vous montre ici, c'est que lorsque je vais venir ici, et je vais venir peut-être zoomer un petit peu plus pour vous montrer le résultat, en fait, il y a aussi quelle est la structure, en fait, quelle est la bordure à partir de laquelle, structure, c'est la bordure à partir de laquelle il va faire ses raccords à la périphérie. Et si vous n'avez pas fait de manipulation une fois avoir déplacé, vous pouvez changer ces valeurs-là avec les flèches du haut, flèches du bas. Je suis en train de faire changer ces valeurs. Je peux aussi changer la valeur de couleur qui est juste à côté.
qui est comment il va fusionner en fait la luminosité et les couleurs autour de cette sélection. Et ça, vous pouvez le faire après, et vous apercevez peut-être que c'est en train de bouger, ici. Et donc, en fonction de ce que je veux, en fonction de est-ce que j'ai quelque chose de très organique, est-ce que j'ai quelque chose d'un peu plus architectural, vous jouez avec la structure et la couleur. Avant de faire une autre manipulation, vous venez de faire votre déplacement, et ça va marcher. Voilà. Hein, donc ça, je sais pas si les gens connaissaient. Et voilà. Donc, et c'était pour l'option qu'on avait montrée tout à l'heure, je la remonte parce que peut-être que les gens du coup n'avaient pas vu où ça se trouvait quand on faisait la hop là ici quand on faisait la mise à l'échelle basée sur le contenu, je vous avais dit en fait c'est ici dans la barre protégée, c'est ici que je vais chercher la sélection qu'on avait mémorisée tout à l'heure pour pouvoir préserver les deux surfeurs. Hein. Donc c'était ici que ça se passait. Voilà. En cas où effectivement. Donc là, les deux surfeurs sont bien entendu et bien préservés. Est-ce que ça va pour l'instant? Franck, tu me confirmes? S'il y a des questions, tu n'hésites pas à me les passer. Ok. Alors on va regarder d'autres algorithmes. On va regarder par exemple qu'est-ce que je peux vous montrer. Le nouvel espace c'est pas mal. Je vais vous montrer dans quelques instants. Alors je vais vous montrer quelque chose que j'aime bien montrer que. Donc c'est avec mon collègue Denis-Pierre Guido, je lui fais une petite dédicace si jamais il est là ou si jamais il voit le replay. Denis-Pierre Guido, c'est mon collègue, il était là bien avant moi, c'est lui qui m'a pris sous son aile quand je suis arrivé chez Adobe il y a 13 ans. Avec C6 à l'époque, hein, j'aime bien je rappeler que maintenant on est à Photoshop CC et on met plus, il n'y a plus de numéro de version, c'est comme un Macintosh, vous n'avez plus de numéro de version, il y a un numéro technique, mais il n'y a plus de numéro de version. Donc souvent on oublie, mais si on part en ancien franc, enfin en franc, en ancienne monnaie, si on parle de CS, on s'est arrêté à CS6 et on a l'équivalent de CS13. Donc ça, j'aime bien toujours le rappeler. Donc ça, c'est apparu dans CS5. Donc ça, c'est juste pour donner un petit repère temporel. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai pas ma tablette, je vais juste recharger une sélection pour montrer. C'est une sélection qui est volontairement grossière en fait. Hein. Et à chaque fois, je me dis, il faudrait que je mémorise, mais ça me permet de vous montrer que voilà, juste très rapidement, je rajoute un petit élément que j'avais oublié ici. Ça va? Ouais. Ah, excusez-moi, j'avais cru entendre. Je viens aussi de remettre mes raccourcis clavier qui ont sauté. Voilà. Ici. Voilà. Et donc, du coup, là, mon intérêt, c'est quoi? Mon intérêt, c'est de deux choses. Ce serait de détourer la tour Eiffel et de la supprimer. D'accord? Donc là, je vais juste faire la partie supprimée. Parce que pour la partie isolation de la tour Eiffel, je vous renvoie à la charge partie détourage. Ou à la rigueur, je vous le fais quand même juste le petit bonus très rapide. Je fais la sélection. Et là, je vais prendre le nouvel outil qui s'appelle sélection, ici, qui s'appelle sélection d'objets. Je viens, j'avais pas encore essayé sur la tour Eiffel, donc je vais le faire à la main. Je viens ici. N'oubliez pas que quand vous êtes avec le lasso main libre, si vous appuyez sur la touche Alt, ça vous permet de faire des lignes droites. Alors, quand on est au trackpad, comme moi là, c'est super pratique. Surtout, ça permet de lâcher la main sans que la sélection ne vous embête de trop. Donc, voilà. Donc là, il analyse. Donc là, ce que je pourrais faire, je pourrais revenir ici. Là, je prends juste le lasso et je vais venir juste prendre les éléments qui m'intéressent ici. Hein. Je ne vais pas rester trop... Là. Donc là, je fais une petite dédicace à Nicolas. Hop là, le lasso. Hop là. OK, donc là, du coup, comme ça, j'ai mon élément. Donc ça, c'est juste pour vous montrer très rapidement comment on peut travailler. Hop là, j'ai oublié la clé sur moi, tout simplement. Hop, voilà. Pour ceci, je pourrais aussi bien le faire, mais je m'embête pas trop. Donc, ce que je voudrais juste pour vous montrer comment je pourrais isoler en fait la tour Eiffel, c'est tout simplement sélectionner et masquer. Donc là, on voit que je pourrais revenir, par exemple, avec mon outil de sélection sélection rapide. Je pourrais très bien aussi lui dire Alt et dire moins ça. Et maintenant, bah, comme on avait fait pour les cheveux, pour avoir toutes ces petites intersections, au lieu d'y aller à la gomme ou quoi que ce soit, je prends juste mon outil en fait amélioration de contour. Et je prends une brosse un peu plus grande et je viens juste passer ici sur les interstices. Si je vous montre avec un affichage plutôt le masque, voilà ce que l'on va obtenir assez rapidement. On pourra corriger. Hein. Si on a besoin de faire un 4x3, j'irai peut-être corriger encore ici, j'irai peut-être gommer, j'irai peut-être ajouter des petites choses. Mais voilà en fait comment on peut décontourer assez rapidement la tour Eiffel. Je finis pas, vous avez compris le principe, j'espère. Donc là, c'était juste pour vous montrer. Donc la tour Eiffel est déjà détourée ici. On la verra tout à l'heure. Donc là, ce qui m'intéresse finalement, comme je le disais tout à l'heure, c'est de venir supprimer la tour Eiffel pour éviter d'avoir deux tours Eiffel et de finir
comme on l'avait avant sur Photoshop du Vecteur, l'ancien site qui montrait tous les mauvais photomontages, si vous vous souvenez. Et là, du coup, vous pouvez faire édition, remplir. Donc ça, c'est le deuxième endroit, enfin le troisième avec le pièce et la retouche localisée. On a mis en fait le contenu pris en compte, c'est qu'au lieu de remplir avec une couleur, on peut remplir avec le contenu, cet algorithme. Et on avait ajouté ici une meilleure adaptation des bords sur la couleur. Donc si je fais juste OK, je laisse travailler, et voilà. Il y a peut-être un petit peu de délai, donc j'attends un petit peu pour vous laisser réagir. Je garde toujours la section, je pourrais l'enlever. Et là, on peut se dire, parfois, certaines personnes m'ont dit dans des conférences, « Bah ouais, mais là, c'est facile, le ciel. » En même temps, est-ce que vous avez déjà essayé au tampon de venir cloner, réparer un dégradé ? Et le ciel, c'est quand même un dégradé. Si vous avez déjà essayé, vous savez que c'est pas facile du tout. Donc là, ils sont super bien sortis. Et je garde toujours la section pour vous montrer que même dans la ville là, bah, bien entendu, il y a des choses où il va avoir du mal. Mais on voit qu'il a vraiment, vraiment super bien travaillé à plein d'endroits. Et que finalement, moi, je dis souvent, bah, soit je reviens maintenant, je désélectionne, je reprends un élément, je réessaye en remplissant, je vois ce qu'il me donne. Et si ça marche pas, je dis que le minimum de politesse, vu qu'il a fait 90% du travail, c'est de faire le reste avec mon outil tampon et les outils habituels. Donc ça, c'était juste pour vous montrer un petit peu l'élément. Et au final, finalement, une fois que la photo est détourée, ce que je fais souvent sur ce fichier-là, c'est que je m'amuse à faire danser la tour Eiffel avec quel outil ? Eh bien, l'outil dans le menu édition, si je suis au bon endroit, sans sélection, eh bien, c'est l'outil déformation de la marionnette que j'adore et qui vous permet, avec un maillage plus ou moins serré, de mettre des points de contrôle et de faire danser la tour Eiffel. Alors j'enlève maintenant le filet, vu que maintenant vous l'avez vu, et puis on pourrait s'amuser à faire danser cette vieille dame, ici, avec la touche Alt, etc., etc. Alors, ce qu'on peut faire aussi, juste pour le rappel, si je viens ici reprendre, c'est qu'il y a aussi un... Là, c'est pas, je sors un petit peu de l'algorithme contenu pris en compte, il y a aussi un algorithme ici de déformation qui est assez peu connu, qui vous permet de faire quoi ? Qui vous permet de faire un point. Je vais mettre un point, par exemple, ici, un point ici, et un point ici. En fait, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on vient prendre deux points avec ce mode-là? Si je rapproche un point de l'autre, regardez ce qui va se passer. Il va réduire, en fait, le point d'extrémité que je rapproche, et à l'inverse, il va grandir. Donc, ce que je vais vouloir faire ici, c'est simplement, là, je suis sur la place de Trocadéro, enfin, hop là, sur l'esplanade, et donc là, je vais faire traverser la scène. Donc là, maintenant, à moi aussi de rééquilibrer, à moi avec la touche Alt de tourner un petit peu le pied, de rebouger ce point pour que ce soit un peu plus crédible sur les points intermédiaires, de revenir peut-être ici, etc., etc. Vous avez compris, on rajoute des points là où on en a besoin au dernier moment, mais je travaille avec peu de points volontairement au début. Donc ça, c'était juste voilà, pour le petit détail. Maintenant, pour finir, du coup, parce que je pense que là, au niveau timing, ça va être bon. On a aussi un nouvel espace dédié maintenant complètement à ça. Donc ça, c'est un des exemples de base en fait qui nous a été donné par l'équipe. Si je voulais cloner, récupérer ceci, alors bien entendu, je pourrais dupliquer l'aile de l'autre côté, mais ça serait une symétrie trop exacte. Si j'utilise le remplissage comme on vient de faire maintenant, ça fonctionne pas trop mal. D'ailleurs, à chaque fois, je ne fais jamais exactement la même sélection, donc forcément, c'est jamais exactement le même résultat. Mais bon, on pourrait peut-être avoir plus de contrôle. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a ajouté il n'y a pas longtemps. Avec maintenant toujours dans le menu édition, vous avez maintenant un espace dédié au remplissage d'après le contenu qu'on vient d'améliorer dans la dernière version qui a été mise à jour il y a quelques jours. Avec un menu appliqué qui permet d'appliquer plusieurs éléments, donc c'est la 21.1 de Photoshop. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on a une fonction aussi auto, ce qui n'était pas le cas avant, mais je peux aussi faire du personnalisé. Et personnalisé, ça veut dire quoi? C'est à moi de lui dire où je veux qu'il aille chercher de l'information. Voilà, je veux qu'il regarde dans cette zone-là, j'ai pas besoin qu'il aille regarder ailleurs. Et là, vous voyez qu'il est en train de travailler, je vais même pouvoir lui dire, si je zoome ici pour vous montrer, qu'il a le droit de faire des mises à l'échelle ou pas, donc d'aller chercher un motif qui est peut-être en symétrie, mais évidemment, j'ai le droit d'aller lui dire ben, « regarde en miroir », parce qu'effectivement, il y a des choses qui sont en miroir, et il va me recréer des éléments.
j'ai le droit aussi de lui dire, bah, adapte un petit peu comme on l'a fait avec l'outil pièce tout à l'heure, à posteriori, d'adapter au mieux les couleurs autour en fait de l'élément, et voire même d'aller chercher dans des éléments où il y a une rotation. Okay, là, je pense qu'on est hors du timing, donc c'était juste pour vous montrer ici, mais sinon, voilà, j'ai un exemple comme ceci, où l'outil pièce, en activant aussi la rotation, permet de récupérer cette information-là. Là où si je venais copier ici, j'aurais pas la même lumière du même côté et j'aurais pas le même motif. Ben là, il va être capable de me donner un premier dégrossi que je devrais un petit peu améliorer pour supprimer cette patate que j'ai volontairement mise sur cette photo. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ça ? Alors écoute, moi j'ai pas vu de questions précises sur les différents points. J'ai vu des gens qui découvraient, qui étaient ravis de justement d'avoir ces informations-là. Il y a qui nous dit génial pour faire des gifs, donc ça va être bien. Nicolas qui trouve que c'est une technique impressionnante. Ouais, les algorithmes ont pas mal marché là-dessus et effectivement ça va bien dépanner, je pense, de pouvoir tester ces choses-là. Non, vu que je vois pas de questions particulières là-dessus, je te remercie beaucoup pour toute la session, Stéphane. Écoute, c'était avec plaisir. Est-ce que donc et, j'ai pas j'avais oublié. Ouais, dis-moi. J'avais oublié le déplacement basé sur Compton. Oui, je vous montre rapidement. C'est je déplace la maison ici au lieu de d'avoir à la mettre sur un calque d'abord, ensuite de venir la supprimer. Parfois même avec de la perspective, peut-être que je la voudrais plus petite. Mmh. Eh bien, je fais OK. Et je laisse travailler, et on va encore avoir ces réglages, comme pour l'outil pièce, de structure que je peux changer à posteriori. Voilà, ça c'était juste, j'avais oublié de le dire, donc je le montre rapide. J'avais oublié de le dire, mais alors c'est complet, carrément de la magie. celui-là fait vraiment, vraiment magique pour le coup. Je sais qu'il est encore plus impressionnant, parce que quand on se rappelle du nombre d'étapes qu'il y avait auparavant pour faire ça, c'était plutôt longué comme contenu. Merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. Si vous avez encore envie de revoir Stéphane, il va être présent dans notre dernière session des 3 jours photo qui va démarrer dans pas longtemps. Tiens, si tu nous partages ton écran, Stéphane, on te voit encore un petit peu. Si tu nous partages Si j'arrête le partage, Le partage d'écran, on va le faire dans ce sens-là. Hop, je sais plus où est. Voilà, et n'oubliez pas, du coup, pour la deuxième session tout à l'heure, quand je reviens après notre invité. Y a deux thèmes, soit on fait un tour d'horizon des autres dynamiques, soit de la galerie de filtres de flou. Ouais, carrément. Ben, merci beaucoup, je te laisse repartir. À tout à l'heure. Je baisse le son, hop, je reviens tout seul, hop, regardez, enfin, je suis pas tout seul, j'ai mon double maléfique. Voilà, très bien. Et donc, ravi de découvrir cette méthode, c'est cool. Le calque peut être verrouillé tout à fait, Alexandre. Petit cadenas sur le calque, ouais. Et est-ce que les punaises de déformation fonctionnent sur Animate? Non, ce serait trop beau que tout ça marche sur toutes les plateformes d'un coup. Je crois que c'est deux fonctionnements différents, mais Animate a aussi son système DOS. Ok, super, merci à tous. Alors vous savez aussi que les 3 jours photos ne sont pas terminés, et ils sont tellement pas terminés que je reçois dans quelques minutes Samir Belhamra, plus connu sous le nom de Graphics Art sur Instagram. Il nous fait des super tirages de retouches photos, de paysages ou autres. Il travaille sur énormément de retouches justement à l'intérieur de Photoshop. Je pense que vous allez en prendre plein les yeux, j'espère que ça va vous plaire. On fait, ben, comme d'habitude, la petite pause. Je rappelle Samir de l'autre côté pour pouvoir lancer l'audio, la vidéo et avoir exactement ce qu'on veut mettre en place là-dessus. Et puis, ben, on se retrouve sur l'autre chaîne. Vous avez maintenant le lien qui est passé ici. Vous n'avez plus qu'à vous connecter de l'autre côté. À très bientôt. Merci à tous.